C'est bon, je suis revenu. Bon, est-ce que ça a fonctionné? Pas pourquoi ça fait ça, c'est trop bizarre. Yolupus? Et Doda? Je passe un coup de vent, super. Super Doda, super. Allez, fais même, tu peux le faire. Hein. Comment vous allez sinon, Déjà, j'ai chat, vu. hein? Vous avez passé un bon week-end, tout ça, tout ça? Bah ouais, t'as faux oublié. Yo, Jess, hein. Ouais, ça va, tranquille. Yo, le soir, ça va et toi? Bah, tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Un temps de merde en ce moment. Attends, est-ce que son TS va fonctionner du coup? Ah, voilà, ça fonctionne. Trop bizarre. Plus qu'une journée avant les vacances. Allez, let's go! Ouais, c'est bon. Mais tu parles pas fort, pourquoi tu parles pas fort? Est-ce que tu m'as déjà parlé, entendu parler très fort, Bah non, comme mais aujourd'hui? là, c'est problématique, là. Comment ça, c'est problématique? Ah, bah là, c'est mieux! Ah bah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe de bon en ce moment là? Oh bah j'ai plein de trucs à faire. Ah Du oui? coup, ouais, j'ai pas mal d'occupations. Sauf en dehors de chez moi, et du coup, je vais pas au SMS, je prends pas mon service, je prends du temps pour moi. Mais une balle. Si on peut appeler ça une valle, Ouais, tu fais une balle de ouf. ouais. Ah ouais? Ça va durer encore quelques jours, donc on verra. On verra jusqu'à quand. Mais peut-être que plus tard, peut-être plus tard que je viendrai quand même. Je vois que dans mes messages, quand j'ai 14 messages qui attendent et qu'il y a des trucs qui concernent le SMS, peut-être qu'à un moment donné, il faudra que j'aille prendre mon service quand même, mais bon. Ah, t'as de la chance, au moins tu as des messages. Ouais. Ah ouais. Oh, ça y est, je viens plus, y a plus personne qui m'envoie de message, quoi, ça y est. Ah. Bah en même temps, moi j'étais pas là donc je pouvais pas vraiment t'écrire. Et à peine j'ai ouvert un œil, je t'ai envoyé un message donc bon. Yes. Ah là, je dois aller au LSMS sur ma visite médicale, tiens. Ah super. On passe un bon. Y a des gens en service au moins? Je crois qu'il y a. Je crois que. Ah bah non, il y a plus personne en service. Sérieux? Ouais. Peux pas me faire ma visite médicale? Parce que moi j'en ai besoin pour bosser, hein. Ouais, mais elle expire quand ta visite médicale? Bah là, elle est expirée, là. Non, mais t'as une semaine pour la passer, non? Bah non, moi on m'a dit d'aller la faire. Normalement, pour rester dans l'égalité, t'as une semaine, je crois, pour la faire. Tu vas vraiment pas bouger ton huc pour me la faire, là? Bah, le problème, c'est que si je viens de faire ta visite médicale mais qu'il n'y a personne en service, tous les appels d'urgence, c'est pour ma gueule, quoi. Ah ouais, mais bon. Je l'ai passé le 9 avril la dernière fois ma visite médicale. Bah ça va, c'est. Ah Ah bah elle est ouais, non, encore c'est pas. bonne. Attends, je suis en train de regarder. On m'a dit ta visite médicale n'est plus à jour quand ça l'a repassée. Ouais, c'est qu'elle va expirer. En fait, c'est 120 jours, donc ça fait pas tout à fait 4 mois. Ah donc je peux la Et faire du ce soir à la coup, fin de mon service du coup. tu pourras la faire ce soir à la fin de ton service Oh si ça te. bah. Allez. Mais vu que c'est 120 jours, et qu'il y a des jours à 30 et Oh 31 jours, c'est. du Ah j'ai coup, pris le radar! Et c'est compliqué hein. je sais pas, ça fait peut-être qu'elle a expiré aujourd'hui. Ou peut-être depuis hier, éventuellement. Mais du coup je peux pas bosser, tu sais. Si, t'as. Normalement, pour rester dans l'égalité, t'as une semaine pour la faire. De toute façon, on sait tous ce que tu attends. C'est comme quand t'es embauché quelque part.
et qu'on te demande de faire passer ta visite médicale, si tu l'as encore jamais passé, t'as une semaine pour la faire, avant que ce soit problématique, donc... Tiens. Y'a un vélo à côté de moi. Donc t'as un peu de temps. Y'a un vélo à côté de moi. Y'a plus de vélo à côté de moi. Comment ça, y'a plus de vélo à côté de toi? Oui, roule en vélo de mamie, lui. Ah, la police, ils sont excités ce soir ou quoi, là? Je sais pas, je regarde la vue depuis mon salon, donc je vois pas la police. Mais j'entends des sirènes de partout. Ouais. Ah. Ok, bon. On va la passer. Ouais, ben peut-être que ce soir je suis là, et puis si je suis pas là ce soir, ben ce sera maybe tomorrow, ou sinon après-demain, je sais pas. Okay. Franchement, je sais pas, je... Pour le moment, être loin du SMS, c'est bien. Mais MSC recrute. Hein. pour une fois que c'est pas moi qui t'appelle. Ah, vous m'avez fait chier avec le SMS, faut bien que je vous fasse chier aussi avec la MSC. Hein. Ouais, mais nous on avait une bonne raison de dire que le SMS recrute. Bah moi aussi. Ouais. Pff. Ouais, même. Je peux pas le faire quand je rigole. Comment ça, jamais content? Ouais, jamais content. Genre, c'est elle qui dit ça, quoi. Il y a une CP, hein, je crois. Bah, c'est fort possible, ouais. Genre, attends, on est combien aujourd'hui? On est 8. Pourquoi? Moi, je regarde si mes trucs étaient pas périmés. Ah, ouais, je crois qu'il y a passé plein de balles, là. Ah, ouais, moi, je suis pas sûr d'avoir quelque chose à bouffer, en fait. Oh, ah, ça va être problématique tout ça. Bon malaise à toi du coup, si y'a pas de soucis, ça va mettre en. Non, ça va, j'ai encore un peu d'eau. Ah ouais, j'ai plus rien à bouffer. Super! Bon! Eh ben, ouais. Ça va être sympa. Ouais. Bah, va bon, te coucher, hein. Oui, c'est ce que je vais faire assez rapidement là, oui. Donc peut-être tout à l'heure on verra. Yes, à plus tard. Okay. À plus tard. Ciao. Ciao. Catulu, merci beaucoup pour ton 8ème mois en T2. Merci beaucoup pour ton soutien. Re-bienvenue à toi. En T2 en plus. Merci énormément. C'est la merde, il est 20h30, y'a pas de doc. C'est rare ça. Et des bisous Dota du coup, bon courage à toi. Si je pense que t'es plus là. Et bonsoir Gatuli du coup, bonsoir Dodo, bonsoir Carnage, bonsoir Pandagro, bonsoir Gatsu. Alors, fallait que je dise un truc avant de prendre mon service. Tac. Vers 16h30, au ponceau à côté de la mairie de LS, une sultan basique couleur sable mat s'arrête à mon niveau. Deux individus avec un accent hispanique m'interpellent pour me poser des questions sur mon armement actuel, savoir si j'ai un FAP. Je peux traverser sans me faire écraser là, vous pensez? Okay. Sur combien de personnes dans le camion, savoir si j'ai une M4. Dans le cadre de nos activités, ils sont partis en... Aigri ce soir là. Ils sont partis en stipulant qu'ils avaient un rendez-vous et à plus tard, je ne leur ai rien dit de particulier, juste qu'ils se trompent d'entité s'ils veulent trouver des quêtes. Yo de là. Chelou. J'en ai marre d'entendre toujours les mêmes musiques là. J'en ai marre d'entendre des sirènes aussi. C'est la guerre. Voilà.
C'est la guerre à LS. Voyons. Il manque des trucs là. Hello, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va. T'es en train de tourner là? Du tout, non, je suis au Bénis en train de passer faire un contrôle technique pour un fourgon. Ah ok, je peux Voilà. aller tourner solo du coup? Oui, tu fais attention par contre vu ce qui s'est passé cet après-midi. Je Ouais, sais pas j'ai vu si le t'as vu. rapport. Ouais, voilà. Donc t'hésites pas, surtout si tu vois quelque chose de suspect, tu rentres direct. Hein. Ok, ça marche. Ok, À bah plus allez à tard. toute. Hop. Oui, il faut pas faire gaffe au nom de véhicule, je vais prendre le blanc. En plus, il est en bon nom. Alors, les radios. Allez, good. Ça va, Jess? Moi je dis ça va être une soirée calme. Bon c'est parti. Je sais pas s'il y a des transferts en attente. Il y avait un agrément. S'il y a des transferts en attente, j'ai des transferts. Ah oui. Elle a dit calme. Bah oui, la base. De toute façon, ça va être calme. On va s'en faire. Et vous savez quoi, j'ai essayé de rejouer Alt-F4 hors stream. J'ai failli réussir. Et je me suis pris un tonneau dans la gueule. Écoutez. J'ai oublié de prendre à manger à bord. Bon, reste deux.
S'il y a des banques d'argent. Yo Seb. Oh. Ah ouais. Il y a beaucoup de banques en fait qui ont besoin d'argent. Il y a du travail hein. Hey friend. Hello, friend. Hey, friend. Non, mais là, la fika d'Awick Centre, elle est vide. La fika Place Wolf, elle est vide. La fika With The News, elle est vide. Et l'Africa Bay City elle est quasi vide, l'Africa SMS elle est vide. La Flicka Route 68 est vide et la Pacifique est vide. Ils ok là on va pas s'ennuyer. Le Rio, les Rio. Bref, salut. Pas anglais par espion. Ouais. Oh quel teuteux. Je me saoule quand je fais ça. Ouais 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 Bill, comment tu vas? Oh. Oups. J'ai pas fait exprès. Ça va pas du tout, Xia. Qu'est-ce qui se passe? Oh le vent. Oh le vent. Je savais plus où j'allais là. Hello, friend. Ouais, salut, ouais. Hey, friend. Hello, friend. Puma Trigger à vie, la pub Intermarché à la musique Confidence pour Confidence, et à chaque fois que je pense à toi, ça te dégoûte. Ah, j'ai envie de la mettre du coup. Et moi la personne qui m'a mis cette musique en tête à vie, c'est le joueur qui jouait à l'Exploder. Sa faute. Et un soir où j'étais en vocal avec lui, il a pas arrêté de chanter ça. Insupportable. En plus il était genre... Oh, il était méga tard, je pense qu'il était 6-7h du matin. Enfin méga tôt du coup plutôt. Genre enfin voilà quoi. Je confirme insupportable. Ah là là. You animal.
Il est où Flynn là aussi, la feignasse là? Oui, allô. Hey, tu fous quoi, feignasse là? Comment ça? Bah, faut travailler dans la vie un petit peu. Mais alors, c'est ce que je fais, oh, que tu te ah bon calmes. Bah, tu fais quoi là? Tu travailles pas, t'es pas en service, hein? Non, bah non, j'arrive, je suis en train de récupérer un fond d'aide parce que moi je me suis fait attaquer et. Oh, voilà. Bebou! Attaqué! Ouais. Bah oui. Ah, c'est dans que ça fait MST en ce moment? Bon, pas spécialement. Ouais, c'est la routine. Je te rappelle, je finis et je te rappelle. Ouais, vas-y. Ça marche? À tout. Y'a belle carapace. Une pilote! Je crois que je vais faire de la merde ce soir. Je suis d'humeur à faire de la merde, je sais pas pourquoi, mais. Pas vu. Ouais. Mais comment tu savais que j'étais debout en plus? Bah je sais pas, j'ai appelé au pif. Ah bah d'accord. Prochaine fois je décroche pas, je fais le mort. Bah super, hein, vive les potes quoi. Non mais là j'avais le LSS qui voulait m'auditionner par rapport à un truc. Ah ouais. T'as fait de la merde, donc j'ai été répondre à des questions. Ah bah, j'ai criminel. Fait grave de la merde. Ah bah oui. C'est toi qui balance le convoi? Eh ben c'est exactement ce qu'il voulait savoir. Ah. J'ai, bah, dit non, j'ai dit non, c'est pas moi. Ils m'ont dit bon, d'accord. Ouais, c'est facile. Et le pire, c'est que c'était quasiment ça. Ouais, bah ouais. En même temps, pourquoi ils soupçonneraient un ancien shérif et un ancien médecin, quoi? Bah. Y'a pas de raison, hein. J'ai senti quand il a posé les questions, il m'a dit qu'est-ce que vous faisiez avant, etc. Je lui ai dit, j'étais médecin et avant j'étais chef de division au bureau du shérif. Il m'a fait, ah, bah d'accord, un ancien collègue. Aïe aïe. Bah oui. Et puis la question suivante était très drôle aussi, c'était est-ce que vous connaissez des membres de gang? Ouais. Réponse précédente, j'étais chef de div, donc évidemment que je connais des chefs de div, ouais, des membres de gang. Je connais tout le monde quand même. Après, pas forcément dans le bon sens du terme, hein. Je vais pas aller. Ouais, tu les connais dans l'autre sens de la barrière, quoi. Bah oui, je vais clairement pas faire des affaires avec eux, mais évidemment que je les connais, quoi. Ouais, bah oui. C'est comme si je lui demande à lui est-ce qu'il connaît des criminels. Bah évidemment qu'il en connaît. Ouais, bah ouais, c'est les questions basiques. Ouais, ça c'est va. Les questions surtout qui me font voir qu'ils ont pas d'éléments quoi. Ouais, bah ouais, ça mènera à rien. Là, ils chassent les mouches, mais ils font rien de plus. Hein. Ça mènera à rien sauf s'il y en a vraiment un qui avoue, et encore. Hello, friend. Donc bon. Comment facile de contourner les questions? Bah oui. Après, je sais pas ce que ça va donner, mais. Vu les personnes dans le convoi. Après, ça peut être un hasard aussi, hein. Ils ont vu. Quelqu'un a vu un convoi partir, qui ont prévenu telle ou telle personne, et puis voilà, hein. Bah complètement, mais je te dis, vu les personnes dans le convoi, déjà t'avais
T'avais Meryl, responsable MST, je vois pas ce qu'elle ferait à donner des infos. T'avais Liam Reeves, je vois pas ce qu'il ferait à donner des infos. T'avais Pierce Conson, c'est le patron de l'entreprise, je vois pas ce qu'il donnerait quoi que ce soit. Voilà quoi. Ah ouais. Bon. C'est bon. Des gens qui spotent le dépôt, à mon avis, il y en a plein. Hein. Ah oui, bah, c'est certain, c'est certain. Donc bon. Même ça peut venir de, des shérifs hein, directement. Bah moi c'est ce que je me dis aussi, oui. Et c'est pour ça que j'ai orienté celui qui m'a interrogé, je l'ai orienté en mode interroger aussi de votre côté quoi. Ah bah ouais. Parce que en plus la responsable du transfert avait dit que qu'elle prévoyait le dispositif par rapport à une potentielle attaque. Donc je me dis elle a peut-être des éléments que j'ai pas. Ouais. Donc voilà. Ok. Yep, yep. Mais du coup là j'ai fait le plein. J'arrive et tu tournes avec Erin. Je suis solo. Ah bah d'accord, ça tourne pas avec les collègues. Bah je lui ai demandé, elle m'a dit que je pouvais aller tourner solo ou pas. Hi there. D'accord. Elle était occupée à ramener des camions Venise. Des camions Venise. Ah elle faisait le parc. Hi there. Droit de technique ou réparation. Ouais. Ça marche. Sinon je connais le taf, t'inquiète. Hein. Oui, bah j'en doute pas. Je pense même que tu le connais mieux que moi. Même si moi ça fait tout juste un mois, ça y est. Wow, ah ouais. Petit 360 sur la freeway. Et c'est reparti. 360. Ah oui, d'accord. Oui, un 3... ouais, ok. Oui, un ouais, 36. Ouais, okay, ouais, un 36 ouais. Ouais. Ça fait beaucoup. Oui, 360, ma voiture va pas à cette vitesse-là, surtout qu'elle est bridée électroniquement, donc ça c'est une vraie merde. Toutes les descentes ou toutes les voitures montent super vite, et ben moi j'ai la bride électronique qui me dit non, t'iras pas plus vite quoi, avec le growler. Et le growler, c'est une bride électronique, donc dès que t'as une descente qui va te faire rouler plus vite, et ben le moteur te dit non, non. Ouais, là, tu vois, typiquement, je suis dans la grande descente qui descend au LSMS, je suis bridé électroniquement à 200. Ah, chais. T'es en train d'avoir des accidents comme... Oui, alors ça m'empêche pas d'avoir des accidents, cette voiture, c'est celle avec laquelle j'ai eu tous mes accidents. Hein. Arrête de la conduire, du coup. Mais non, elle est trop bien. Ouais, elle est trop bien. Mais oui, c'est un jouet de l'enfer, hein, ça, je te l'accorde. Ouais, ouais. Mais non, elle est terrible comme bagnole. Moi je la kiffe. Non, le seul truc qui me manque, hein, c'est un réglard. Hein. Ah ouais, ah, c'est dommage. Hein. Ouais. Il y a Moren qui m'a rappelé il y a pas longtemps pour me demander si je le vendais. Que je peux potentiellement. Que je peux potentiellement compenser par un Astron. A voir. Ouais, on va vivre le Rebla moi. Mais je préfère quand même le Rebla. Hein. Je te le vends 10 millions. Alors j'ai regardé mon compte en banque, mais même si je vends des convois MST, ça rapporte pas assez. Pas suffisant. Ouais. Hello friend. Non, et puis tu voudrais pas que je vende des convois pour payer ton Rebla. Ah non, quand non, même, mettre les joueurs en danger et tout, non, jamais de la vie, c'est de défense. Hey friend. Mais tu sais très bien que jamais je ferais ça de toute façon. Donc, je sais pas moi. C'est rigolo. Comment ouais, ça, tu sais faut pas toujours se méfier des gens. Ah bah d'accord. Non, et, ça parle d'amis et tout ça, et puis au final ça balance ça. On est potes. Oh, je t'emmerde. Allez, viens donc me chercher. Oh non. Quoi non? Oui, j'arrive. Allez, je t'attends. À tout à l'heure. À tout de suite. Et coucou Altid, du coup, coucou Tarte Myrtille. Parce que Bonne et Ori, par exemple,
Je sais plus à quel moment t'as marqué ça. Yo, c'est la loutre. Du camargué. D'où le dépôt, c'est là-bas. Salut Marie-Vincent. Pourquoi se méfier d'un exoc? Ouais oui, c'est pas faux ça hein. Attends, faut que j'aille chercher à manger. Je vais chercher à manger, j'arrive. Personne n'aura le Reblade Val. Bah, sauf quand elle sera mourue et qu'il y a le testament, mais. Du coup. Je reviens, faut que j'aille à la poubelle. Ça bosse. Oui, j'ai pas répondu à Maxime. Un minerai d'or. Ça fout. Mine, on est riche. J'ai trouvé de l'or dans la poubelle. Merde, j'ai pas eu le temps de te prendre en photo en train de faire la poubelle. Y'a de l'or dans la poubelle, on est riche. Non, mais moi aussi, faut que je jette mes cafés, ils sont plus bons, faut que j'en. Ah, mais tu t'écoutes ce que je te dis ou pas? Oh putain, du minerai d'or. Bah ouais. C'est quoi cette connerie? On est riche. Ouais, je viens de pêcher 6 cafés quoi, les boules. C'est qui, c'est Meryl? Je sais plus. C'est... Non, c'est Erin. Erin. Erin, on est riche. Erin. On est riche. Oui, comment ça on est riche? Y'a de l'or dans la poubelle. Et salut. Hein? Y'a de l'or dans la poubelle. Y'a un minerai d'or dans la poubelle. On est riche. Ouais, alors. C'est la première fois que je vois ça. Je pense qu'il y en a un qui a dû l'oublier là, hein, on va dire ça. Hein, parce ah ouais, que... ouais. Je sais pas trop si on pourra quitter. Minerai d'or. Minerai d'or. Comment il a pu atterrir là quand même? Ah ben, je sais pas, peut-être quelqu'un qui a été pêché et dans une rivière et qui a eu ça dans un poisson et qui s'est dit c'est quoi cette merde, ça fait mal aux dents, je le jette. Ouais. T'as pas eu l'idée, tiens, ça brille, c'est jaune, je vais le garder. Un ah peu bah, con, je sais pas. Hein. Ouais. Oh, c'est bon, du minerai d'or. Ouais, c'est vrai que c'est pas commun quand même de trouver ça dans une poubelle. Hein. Bah ouais. Moi je le prends, hein. On est riche. Hein. Oh, bon. Ouais. C'est nickel, tu penses? Ah non, c'est de l'or. Eh non oh, c'est de l'or. Après, je sais pas, faut voir avec. J'ai posé la question. Ouais, voilà. Poser la question quand même aux forces de l'ordre. Parce que cette, si histoire, quoi. Cette histoire, c'est comme les diamants. Je veux pas être méchant, mais les diamants, on nous dit c'est. Bah, on nous dit c'est illégal. Mais au final, t'en gagnes au casino, donc c'est comme les lingots d'or. Les lingots d'or, les forces de l'ordre te disent c'est illégal, mais t'en gagnes au casino. Moi, ça commence à me tendre. Ça. Ou sinon, ça veut dire que le casino est receleur d'objets illégaux. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, tu pourrais aussi. Hein. Ouais, alors j'ose pas aller sur cette piste-là. Oh bah tant pis, on va le laisser là. Hein. T'inquiète pas, je pense que Roger se chargera bien de le récupérer. Ah bah oui, oui. Ah, dommage oui, pour oui, moi, hein. Ouais. Allez, let's go. Yes, mais du coup, faut que j'aille reprendre des cafés. Merci. Tu vas reprendre des cafés où? Une fan de l'OM pour me filer les clés du camion OM. Oh non, j'avais pas vu. C'est OM supporter. Non. OMS. Non. Donc t'es supporter de l'OM. Beaucoup feignasse, t'as pris du cul là.
Comment ça, j'ai pris des cafés là? Bah, la machine juste en face des vestiaires. Tu les payes? Bien sûr. Ça veut que tu vas pas au Paradise? Tu paieras moins cher, non? Je sais pas, je savais même pas que le Paradise en vendait. Bah, un bar, tu veux que ça vende quoi? De l'alcool. Bah, pas que, hein. Moi, ouais, je sais, ils font aussi des crêpes au chocolat. Mais et des tartes aux fraises. Et des churros. Ils font des tartes aux... Non, les tartes aux fraises, c'est au blé d'or. Ils vendent aussi des tartes aux fraises. Ouais. C'est là-bas que j'ai acheté toutes mes tartes aux fraises. Ah, par contre, la condition pour monter dans mon gamin, c'est que tu me laisses tes sacs, hein. Pardon? Ah ouais? Mais je te redépasse pas au dépôt, là, trop tard. Non, mais il est pas là. Non, bah, je t'assure, non, il lui est au téléphone et tout, il est parti se coucher. C'est fermé, c'est ouvert. Enfin, j'avoue. T'es... Non, mais je vérifiais juste que la recrue fermait bien son camion. Ah, évidemment. Oh, pour qui? Oh, je pourrais te faire ce que tu m'as fait au LSS. Y a pas d'eau ici, y a pas de falaise avec de l'eau. Ah, non, c'est dommage. Hein. Ah, ouais, dommage. Puis je vois pas le rapport parce qu'au final, dans les deux cas, c'est moi qui suis le plus ancien. Ah ouais, et alors? Tu veux use de ton autorité? Oh oui. Ah ouais. Bah, pas avec moi. Là, j'ai des petits. C'est pas ultra fluide là. Peut-être que je vide le cache, un de ces quatre. Ah, c'est toujours fermé, là c'est ouvert. Trop pressé, hein. Oui, ça traîne pour ouvrir, hein, je vois ça. Bah, je prends mon temps, moi. Hein. J'ai toute la soirée devant moi. Faut que je passe ma visite médicale après. T'es pas dispo là tout à l'heure. T'es pas là. Parce qu'en plus, tu travailles sans visite médicale. Bah, on m'a dit que c'était encore une semaine valable. C'est les docs qui m'ont dit ça. J'écoute les docs, ils me disent qu'il y a encore une semaine de validité légalement. Pas dispo, ils sont pas dispo. Tu sais que c'est gratuit, hein, t'as pas besoin de gratter du temps. Ça serait pour un contrôle technique encore, je peux comprendre. Mais je gratte pas du temps parce que c'est payant, mais je peux pas aller chier les docs s'ils sont pas là. Hello, friend. On a full travail, hein. T'as vu l'état des banques? Non, je vais pas regarder. Bah, regarde, tu vois. Ah, oui, c'est vrai que dans le sud, c'est pas top. C'est pas top, c'est tout. Moi, ils ont qu'à aller dans le nord, écoute, qu'est-ce que je te dis? Ah, mais je sais pourquoi j'ai des lagouilles. Je suis en mode bêta. Je repasse en normal. Écoute, moi je trouve ça quand même bien, il y a 233$ à Place Volt, c'est... Déjà, hein? Mais je suis allé remplir juste avant? Ah non, c'est juste que j'ai pas réussi. Ah ouais, j'ai eu peur. Mais je vais aller voir Tocniche après. Je vais même aller au dépôt maintenant, si ça te dérange pas. Bah si, ça me casse les couilles, ça me fait chier, mais... Bah, je m'en bats les couilles. Dise. Hein. Alors qu'on aurait pu vider le camion ici avant que tu fasses ton machin, mais bon... Alors on va faire ça, ouais. Y'a combien de sacs dans le camion? 60. 30 chacun, du coup. C'est ça, hein? C'est ça, mais... Ouais. Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. C'est pas ça? Si, si, c'est ça, c'est ça. Je suis un Tomezek? Tu veux gratter, c'est ça? Non, c'est pas une question de gratter, mais c'est juste que... Il m'a l'air très à cheval sur le nombre de sacs. Ah, et du coup, ça te pose problème? Non, je m'en fous, ça me fait sourire. Ah ouais, bah attends, on partage, c'est normal. Après, si tu veux pas trop partager, moi je prends tout, y'a pas de soucis. Je pense que ça veut dire. Étant donné que j'ai pas fait de sac hier, j'en ai besoin aussi. Il en reste les derniers dans le camion, c'est à moi. Hi there. Mais t'inquiète pas, je vais pas te les voler, bordel. Non, mais je préfère le dire au cas où, tu sais, on peut mal compter oui, bah, et puis oui, ça oui, peut riper oui, tout ça. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, j'espère que je t'avais manqué. Hein. Hi there. Il est super Balek. Tain, cette fois, tu peux pas me gratter des pleins, des pleins d'essence, alors maintenant tu veux bien être à cheval sur les sacs que je prends et ah, les sacs ouais, que c'est prends, ça, ouais. Je pense que t'as vraiment un petit côté... un petit côté... Oui. Je vais pas te dire radin, mais... Non, mais arrête, la fleur, il m'a dit ça aussi. Pas... Radine. Bah, je sais pas quand même. Bah, non, mais. Alors, déjà, t'as vu le peu de présence que j'ai en ville. Si en plus de ça, je me fais niquer mes sacs. Bah, j'avance pas, là. Hein. Uh-huh. Je passe mon quota quand même, tu vois, que je montre que bah, je travaille et tout. Malgré mon peu de présence. Ah ouais. Mais il suffit d'être plus présente. Ah ouais. Ouais, j'ai toujours pas envie, hein. J'arrive. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tac, tac. Non, c'est pas ça. Tac. Oui. Tac, tac, tac. Ça qui fait bug. Enfin, qui fait bug. Il y a des petits frises. Hein. Hop, hop, hop. Comme ça, ça ira beaucoup. T'es toujours là, Evil, ou pas? C'est long. Ne me dis pas que Five M est cassé. Oh non. Oh, j'aurais peut-être pas dû décoreco. Ouais, t'es toujours là? Attends. Ça c'est pour toi, c'est cadeau. En tant que 5M veut bien revenir. C'est cassé, coucou Goni. Ah vas-y, j'aurais pas dû décoreco du coup. Ça va, Goni ? La guenou. J'ai pas pensé à te le dire. Sniff. Bah ça va, tranquillou.
MST, discussion, Flynn m'attend pas, le Doc Mich, non attends, il y a une file d'attente chez le Doc Mich. Ça me saoule. Ouais, je vais insister, mais bon. Ça va rien changer, je pense. Quoi, Siri, c'est mieux. Ah, c'est finito la Siri là. Yo Karine, ça va et toi? Ah oui, tu t'es barré. Non? Tu joues qui le Rio? Mais oui, Mato! Je suis parti tellement à l'arrache en plus cet après-midi. C'est cool cet après-midi, la petite tournée. Ah! Finn, il m'a répondu à HRP pour une fois que tu n'es bossé. Hein. Quel sac à main. Je refile le camion, j'arrive. Pas de temps, y a pas de temps, y a pas de temps. Oui, allô. Ouais, finalement, c'est ok, le Doc Mich, il a fait ses consultations ultra vite. Okay, moi, vu que j'avais un petit rhume, il m'a donné un petit mouchoir, t'as vu. Uh-huh. Dépêche-toi, parce que j'ai pas toute la soirée. Hein. Ouais. Allez, à toute, hein. À toute. Non, c'est pas. C'est, elle a vu ça sur un autre stream, sûrement. Arrête, ça fait mal aux oreilles! On s'entend plus parler. Je conduis! Oh yes! Allez, c'est parti! Trop technique qui arrive. Putain, comment ça. On divise par 3 là, du coup, combien ça fait? Bah, tu crois. Voilà, c'est dans la merde là. Tiens, ça fait 20 chacun, du coup. Oui. C'est qui avec nous, Flynn? Moi, c'est London. Je sais pas, c'est... Salut London. C'est un intrus, c'est. Je sais pas. Ah bah, moi, si je suis un intrus, faut le dire, je repars. Hein. Non, mais je plaisante, oh, c'est bon. Solita, merci beaucoup pour ton 10e mois, bienvenue à toi, merci beaucoup pour le soutien et bonsoir. T'es une recrue aussi? Non, c'est pas une recrue. Gentil, du coup. Nous, c'est déjà ramassé ici. Salut Loïc. Il y a plus alors, de respect. Roxane, je vais t'apprendre un truc à la MST. Ce que tu as de génial, c'est que tu as un trombinoscope. Hein. Ah ouais, c'est le truc où je reconnais jamais les gens. Ouais. Comment ça, tu trouves pas que j'ai une tête de BG? Non, jamais non. Je check un stream. Ouais, franchement, en plus, je me distingue parce que j'ai la petite chemise en vrai, non, blanche, ça va. Alors que les autres ont tous la chemise
noire ou c'est faux, Marco c'est la beige et Ashley à la blanche. Non, Ashley c'est une beige qu'elle a sur, sur sa photo. Ah non, c'est une à l'époque où elle l'avait faite, il n'y avait pas encore les couleurs pour les femmes et, ah, et du coup. Ah, je dois avoir que un souci parce que je la vois blanche. Ah bah non, non, elle est pas blanche du coup. C'est un beige dégueulasse. On fait de mon service du coup. Bah oui, hein. Ils font des transferts sans nous. Qui ça ? Rigole pas, c'est possible. Mais oui, c'est pour ça que je dis ça, c'est que c'est il y a un monde où c'est ça. Hein. SP ? Ouais. Ah. T'as pas fermé ton camion ? Si. Non. Je crois que je vais être relou ce soir. Ah mais tu l'es déjà. Hein. Ah. De base ou juste ce soir ? Joker. Attention autour de toi. Hein. De quoi ? Tu parles de toi ? Bah non. Je vais être dangereuse moi. Oh. Hello friend. Comment il s'appelle déjà, j'ai oublié. Super. London. 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 Non, pas, pas la ville. Hey à ta guise, hein, tu sais quoi. Ça fait combien de temps que t'es ici, London ? Un mois et demi. Et en ville, ça fait combien de temps ? Un mois et demi, du coup. Ah, ok. Bah, bienvenue à LS. Hein. Ah, merci. London. 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 Comme parapide d'âne. Hein ? Ah ouais, ça marche aussi. Hein. Land, ça veut dire pas. Hein ? Ah, lent ! Moi j'étais parti sur de l'anglais là. Ah bah oui, sinon ça peut être la terre du dessus. La terre du dessus ? Ça veut dire quoi, c'est la terre du dessus ? Bah, land, on. Ça se dit pas land, on ? Land. Ouais. London. On. London. La terre du dessus. Vas-y, t'es chelou. Moi, je trouve ça cool, la terre du dessus. Il y a la terre du milieu, et là, c'est la terre du dessus. Il y a deux terres. Si il y en a trois. Si je te parle de la terre du milieu, c'est ouais. Qu'on a forcément pas que deux. Sinon, elle serait pas au milieu. Tu wow. Veux qu'elle soit au milieu de quoi? Mais comment c'est possible? C'est plein. Ah oui, c'est plein. J'ai 7 sacs. Pareil. J'en ai 8. J'en ai plus que vous. Tu veux une médaille? Ouais. Bah t'en auras pas. Pour ça, fallait travailler dans les forces de l'ordre. Bon, on m'a toujours promis des médailles, j'en ai jamais eu. Hein. Moi je suis désolé, moi j'ai eu mes médailles. Ah ouais, ouais. Et ouais. Parce que j'ai fait un boulot remarquable. Ah ouais, t'es en train de dire que j'étais nul à chier dans les forces de l'ordre, c'est ça ? Bah je sais pas, t'as des médailles ? Ah super, parce que la carrière se résume aux médailles quoi. J'ai sauvé le gouverneur d'un coup de couteau, t'en rends compte ? Jamais une médaille pour ça. Tu veux dire qu'il s'est pas pris le coup de couteau dans sa porte ? Bah si, il s'était pris mais on a été le sauvé. Bon bah voilà. Donc t'as pas sauvé. Attends, c'est lui qui nous en a parlé, hein. Hello, friend. Il est venu nous voir, il a dit est-ce que ça vous dérange si je vous médaille et tout Sauver bah ouais. Le gouverneur d'un coup de couteau, ça veut dire que tu non, l'empêches mais, déjà, de prendre ce coup de couteau. Dis-toi qu'il m'a appelé, il m'a dit j'ai un rendez-vous là-bas. Il m'a dit ne venez pas pour voir, mais tournez juste autour au cas où. Et on s'est quand même mis sur la montagne pour voir, et heureusement, parce que sinon il serait mort. Hein. Mm-hmm. Bon, je suis plein. Hello, friend. Partage. C'est pas, t'as de la place encore. Il me manque un sac. je vais pas pouvoir récupérer la caisse du coup.
Mais du coup, tu vois, si on n'avait pas vu et tout, il se serait vidé de son sang, la cata quoi. Ouais. Bon, London, je te le dis d'avance, Roxane, c'est une amie à moi. Oui, c'est moi. Je l'adore. Oui. Mais c'est une putain de radine et crevarde. Donc ne lui donne pas tes sacs si c'est toi qui, c'est toi qui les récupères. Comment ça, je suis une radine crevarde, je t'emmerde. Je prends bien note du coup. Attends, on va avoir une discussion là. Il y a des choses avec lesquelles elle déconne pas, c'est le fait que tu. Ça c'est toi qui paye le plein quand tu as des. Tout ça. À gauche. Place Golf. En plein milieu. Oh, bah, c'est que des VB. C'est que des VP avec des Mirror Park, c'est rien. Oh là là, elle a le scoop. Je suis énervé ce soir. Ouais. En plus ils sont cachés pour faire leur rendez-vous. Mais personne va voir derrière quoi, bah super hein. Hey London, l'écoute pas, il dit de la merde. Hein. Ah mais je sais pas qui je dois écouter du coup. Pas lui. Salut Flynn. Il dit toujours de la merde. Ah ouais. Ah bah je prends note aussi du coup. Hi there. D'ailleurs Flynn, j'attends toujours mon virement. Quel virement? Bah tu crois que c'est gratuit d'être ton pote? Hi there. Oh putain. Quand je te dis qu'elle était radine. Je comprends mieux. Oh, elle écoute pas, elle écoute pas. Hey, c'est parti. Yep. Alors c'est Monsieur Todd avec... J'ai pas reconnu le deuxième. Le VB, j'ai pas reconnu. Ah, si c'est Todd, c'est peut-être Dunn en face, quoi. Il y a moyen. Et il y a des stators qui tournent autour. On va peut-être avoir un spectacle, son et lumière. Un spectacle. Pire que Sarah pour vous. Bah, super. Hein. Elle m'avait taxé 700 balles hiver 2021 pour ses peluches. Le mec, il s'en rappelle de quand c'est, tu sais. Pas de quoi tu parles. Franchement, ces taxis à klaxonner là. J'avoue, c'est insupportable. Il met top ouvert. Personne, tu peux y aller. Vas-y, c'est bon. Hop là, ils sont lourds les portes derrière, j'ai mal au bras. Vers 21, c'était Sarah par Roxane. Le chiant, c'est que s'il se passe quelque chose, on est trop loin, on verra pas. Si, c'était Roxane, je crois. Wait. Transporter ses pizzas de fond, non, je suis pas sûr. Je ferme, ça n'a rien. Arrête, tu vas me donner faim. Alors, une pizza 4 fromages. Tant que tu me sors pas une pizza hawaïenne. Je suis bien fatigué. Putain, mais on a fait une tournée, dans quoi t'es crevé là? Oh. Ah ouais, c'est celle de tronc. Mais genre, t'étais pas. T'as fait combien en tout? T'en as fait deux en tout? Bah, au moins un. Au moins un. Au moins un, c'est déjà beaucoup. Non, je comprends pourquoi tu veux mes sacs pour faire ton quota. Ouais. La transport audio, c'est bien. C'est bien recru, faut bien checker les magasins.
content. Ah ouais, ouais, je vois que vous le faites super bien. Hein. T'as le camion, il est ultra long à flemme. Oh, j'aurais pu prendre de l'autre côté au cas où. Aïe! Putain! Ton temps est trop haut. Et en plus, elle est pas douée. Oh, bravo. Hey, friend! Je suis pas doué, c'est trop tard, il m'a fait un croche-pied. Reviens! Arrête! Arrête, j'ai pas le courage, arrête! Reviens! Oh vas-y, tu me casses les couilles! Vas-y, c'est bon, fonce! Oh. Monte à l'intérieur! T'es sûr? tu me fais pas un sale coup, hein! C'est bon. Ouf, ouais, j'en peux plus. Trop couru! Trop couru! Trop, beaucoup trop! Surtout que t'as couru ton arme à la main. En plus, en erreur. Pareil, si je vais le reporter à Liam, tu vas être licencié. Hein. Non! Oh là là, je vais me fatiguer de moi-même à. Ah, je retiens ce soir. Hein. Bon, ils se sont pas assassinés, c'est bon. Ça parle encore. Et tu me chutes là? Il y a Bambi qui dort. C'est ça que derrière. Arrivé. Arrivé. Oh, c'est méga long comme ça. Ça m'empêche de courir, mais c'est long quand même. Hein. Hello, friend. Ah bah oui, c'est long, oui. Merde, c'est plein. Bah oui, c'est plein. Hey friend. Mais salut, oui. Il va partir sans moi, il va partir sans moi, il va partir sans moi, il va pas partir sans moi, c'est bon. Encore un traiteur à gauche. Ah ouais, forcément. Voilà, tu vois la différence, c'est que Mirror Park il protège le rendez-vous, il surveille, ils sont attentifs et tout. Il faut le remplir ici encore ou. Ouais, oh, on va voir ce qu'on peut mettre. Les derniers sacs, hein. Il m'en reste 10 dans le camion, hein. Mais tu te calmes. Moi, il me reste les 20 dans le camion, de toute façon, ça va pas rentrer donc. Bah, je suis calme, hein. Là, c'est plein. C'est plein. On va dans une autre banque. Hey. Je suis bloqué. À l'aide. Je ne peux pas passer. En qui je peux pas passer. Oh non, pas devant VB, arrête! Oh
pas le con. Tout, mais pas devant eux, pitié. Pourquoi tu ouvres la porte? M'arrête. Bah où là? Bah tu sais pas, je te kidnappe. Ah ok. Il me reste combien de sacs dans le coffre? Toi il t'en reste 10. Ok. Sûr hein? De ce que t'as dit hein. Non je ne suis pas sûr, j'ai bah, pas regardé combien il restait. Moi j'en ai pas pris. Je sais qu'il m'en reste 10. Moi il me reste 20. Bah y'a un calcul pas bon quelque part là. Qui c'est qui triche là? C'est toi Flynn hein? Bah non. Ah si. T'as volé des sacs à quelqu'un là. Qu'est-ce que t'as dit? Là tu sais que le fond. Trop tard. Check le fond, j'ai pas dit. Bon oui ouais. Oh c'est... Ouais. Y'a personne qui le fait en fait. C'est bon chef. C'était de ce fond là que tu parlais? De quoi? C'était de ce fond là que tu parlais? Bah tu pensais que je voulais parler de quel autre fond? Il me fait peur des fois. Allez en route. Fatigué. Oui, ça se sent. Je suis plus énervé que d'habitude. Fatigué oui, c'est quand parce même. Que t'es fatigué. Voilà. C'est comme les enfants, quand t'es fatigué, tu... Tu vas où là? T'es infernal. Je vais où je veux, c'est moi le conducteur du camion. D'accord. Comment ça je suis infernal? London, tu es infernal? T'as le droit de dire oui. J'ai envie de dire oui. Waouh. Mais qui te connais pas, tu dis ça quoi? C'est quoi? Ça m'énerve. Ça fait du monde. Hey! Bah, je me tais, hein. T'as bien été checké jusqu'au fond? Ah oui? Ok. Quelqu'un qui récupère son badge à MSC, je sais même pas qui c'est. C'est quoi, c'est U? Mais c'est ce que je regardais, Jonathan Grass. Jonathan Grass, je le vois pas dans l'effectif. Il a peut-être été viré parce qu'il était absent, il le sait pas. Je pense que c'est ça, oui. Ouais, il y a un Scott Henry, j'ai jamais vu, je sais pas qui c'est. Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde ramasse pas beaucoup de sacs là? Ils sont un peu radins. Ouais. Je viens de faire un set, mais j'ai l'impression que jusqu'à présent. C'était pas ouf. Hello, friend.
Tu regardes s'il te donne bien tout. Ouais, je prends les... C'est dur de plus rien dire. J'ai envie de les embêter. Putain de taxi là qui fait trop longtemps. Ouais. L'un de nous aurait un admirateur au taxi, que ça me surprendrait pas. Casse-toi, 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 casse-toi. Ah, ouais, casse-toi. Il est mort, je crois. Non, il est juste. Il a trébuché. Oh, ils sont résistants, les cons. Tu sais quand je peux reparler, hein. Personne t'empêche de parler. Ah ouais. Oh, il me fait insupportable. Donc, du coup, et tout. Du coup, je disais. Il y a l'un d'entre nous qui a un admirateur au taxi, on dirait. Bah, ça doit être toi, je pense. Je me suis jamais fait autant klaxonner par les taxis. Bah non, justement, si ça me choque, c'est que c'est pas moi. Je connais personne au taxi, donc ça doit pas être moi. Ah, la fleur, il vient de sauver la vie, c'est pas lui. Ah ouais, à ce point-là. Dis-le si on t'emmerde. Hein. Bah non, non, c'est moi qui vous emmerde. Comment ça, tu nous emmerdes? Super. Non, mais dans le sens où je vous embête, pas dans non, le sens où... Non, mais d'accord. Je... Non, mais... Ah oui, non, mais... Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais... Oh. Monte dans le fourgon. Quoi ? Il y a des gens qui sont embarqués à 100 mètres. Container, drogure, commoda, rebla. Vas-y, passe un appel. Il y a des gens qui se sont fait embarquer. Il n'y a pas un taxi abandonné avec le devant moi. Ici, c'est ce que je vais voir. Tu fais quoi comme appel au SPZ ? Le taxi abandonné, je crois. Il y a une moto à côté. Bah, ils sont là. Ouais, ils sont là. J'ai pas vu, moi. Vous avez vu, moi ? Ouais, en descendant de la moto du camion, j'ai vu, je les ai vus s'arrêter et faire remonter des gens. Toi qui s'est vu en moto. Bah, je crois qu'ils sont peut-être fait embarquer aussi à la Pacifique, a priori. Hein ? Ouais, ça va ? Ouais. Fais attention, il y a des enlèvements. Attends, je vais voir le. Il y a un de tes collègues qui s'est fait enlever. Ah bon ? Bonsoir. Bon courant. Vous avez vu l'enlèvement ? Ah, c'est normal, ça vient d'arriver. C'est vous qui avez fait l'appel ? Là, 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 là ! Pardon ? Là, 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 ouais. C'est vous qui avez fait un appel ? Okay. Ça doit être la personne juste de l'autre côté à moto. Il y a la voiture de. Je l'entends pas, mais c'est sur la moto. Il y a le taxi derrière, on est pas du tout. Je suis aussi, c'est fusté. Ah là, je vous entends. Okay. Ouais, fais gaffe à toi. Ok. À l'heure. Mais ouais, container, blanc, commoda et drogue, 4 véhicules. Hein. Il y a 4 véhicules sur le truc. Hein. Le taxi est abandonné aussi. Bah, ils ont embarqué le clip. On l'a vu se faire embarquer, nous, depuis là-bas. Ils sont descendus Alta Sud. Alta Sud. Et bonsoir. Et bonsoir. Il y a un de vos collègues qui s'est fait enlever là. Bah, je crois bien, oui. Ouais. Et bah, pas de chance pour lui. Vous êtes fait braquer ou comment ça se passe ? Non, non, nous on a vu de loin là-bas. Enfin, mes collègues ont vu. D'accord, d'accord. Tu as vu ça vers où ? D'accord, mais quoi, t'as vu un enlèvement ? D'accord. D'accord, bien reçu. Apparemment, sur Elgin et Awick, il y a des hommes armés avec des otages. Ah, ok. On va éviter d'y aller, non ? Je sais pas s'ils sont au courant, les officiers en face. Je peux aller passer le message. Vous êtes au courant que sur Elgin Awick, il y a des gens avec des otages du coup ? Non. Bah, ils sont là-bas, Elgin Awick. Elgin Awick.
Elginawik. Elginawik, il y a des otages. Ok. C'est nécessaire pour venir chercher le taxi. Vous voulez gérer pour le taxi du coup? Oui, je suis en occupé. Ah, bon courage, faites gaffe à vous. Ça marche. Si, bonne soirée. Nous on était trop loin. Ils vont gérer pour le taxi. On était trop loin. Ok, ça marche. Apparemment, il y a des collègues qui sont retrouvés. Qu'on voit d'un truc. Ouais, ils ont retrouvé une prise d'otage. On fait gaffe aux alentours. Yep. Ok, ça marche. Ben, on va se rendre proche de nos collègues et aider les véhicules abandonnés. Bah, pour le taxi qui est derrière, les taxis vont s'en charger du coup. Et du coup, pour les autres véhicules, vous voulez qu'on en fasse quoi? Vous le disiez, monsieur, j'ai pas entendu. Je disais pour les véhicules qui sont devant la Pacifique, je sais pas s'ils ont embarqué des types de la Pacifique. Sûrement, oui. Sûrement, il y a personne dans la Pacifique. Ok. Pour ceux de la Pacifique, par contre, je pense qu'il va falloir appeler les dépanneurs. Hein. On appelle les dépanneurs Bénise. On les fait mettre en Bénise du coup ou... Ça marche, merci à vous. Yes. Merci. Ok. Non, tu viens de taper la réponse, c'est pas toi qui. Eh, c'est lui qui attend une réponse de moi depuis tout à l'heure. Salut. Salut. Ça va? Ah, ça va et toi? Bah, ça va. Je fais des tours en moto, voilà. Ah, bah, fais gaffe à toi du coup. Oui, bah oui. Yes. Super. Ouais, bah oui. Tu m'appelles s'il y a un problème. Yep. Allez, bon courage. Je comprends pas pour il me posait la question à moi. Ah bah. Il m'a été recruté. Allez, on est parti. T'as pas voulu, vous voulez monter dans ma moto. Oui, oui, bah pour une fois que tu me pètes pas une vitre. S'il y arrivait. Tu veux peut-être qu'on s'éloigne? J'ai toujours essayé, mais... Elle est ouverte sa moto. La MST recrute toujours. Allez, éclatez-vous, peut-être que vous pouvez pas. Je suis sûr, elle est fermée sa moto. Vas-y, t'es un danger, hein. Bah pourquoi, je l'ai pas touché? Ah si. Bah non. Sinon elle s'enfuirait là, elle est en mode panique. Bah du coup, moi je suis quasi fou là. Pareil. Bah oui, on va récupérer ce qu'on a pas récupéré ici et... Je les ai vus passer dans le coiffeur, je savais que ça sentait la merde. Je les avais pas vus moi. Ouais. Attends. Vas-y pas solo, vu la moto devant, attends. Excusez-moi. Oui. Juste pour vous prévenir, je sais pas si on vous a dit, mais la prise d'otage a lieu juste un peu plus bas là-bas, donc on essaie de pas trop approcher par là-bas. Ok, ça marche. Ça marche. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée. Nous on va juste au tatoueur récupérer les... Et là pour le coup, je vais faire un check compo. Hey! Pour rien. Je te merde, je suis vigilant. Hey there. Allez, top à terre. De quoi, on fonce dans la PO comme ça et on écrase tout le monde? Ouais. Let's go.
C'est un peu plus, on était otage, quoi. Hein. Ouais, j'aurais pu grappler. J'aurais pu gratter quoi? Un autre fond d'aide. Non, j'ai attends, vraiment, y'a que le pognon qui t'intéresse, hein. Après, tu parles de moi, arrête! Putain! Radin! Jamais vu ça de ma vie, hein. Comme les... T'es comme les gens qui demandent des sous là pour avoir un compte rond, c'est pareil. Mais c'est toi qui demandes des sous pour avoir des comptes ronds. Bah, jamais pas vu ça, moi. Je donne des sous pour avoir un compte rond, c'est pas pareil. Alors, rappelle-moi, c'est mauvaise qui foi, à chaque fois vous me disiez j'ai pas d'argent, mauvaise foi, hein, arrête. Il me reste 10 sacs dans le camion. Il me reste 10 sacs dans le camion, hein. Ça. Roxane tient à faire passer le message qu'il lui reste 10 sacs dans le camion. Ah, mais il dit chacun à vous deux. Elle est bien, Chine. Ah, bah il en reste que 10, je les prends. Non, c'est à moi. Espèce de radin. T'es retraité de radin par une radine, voilà quoi. Je suis pas une radine, moi. Juste. Bah, hein. Si. Sinon, tu me ferais pas ton rebla à 10 millions, quoi. Non, ça, c'est parce que c'est d'une rareté exceptionnelle, là. Bah oui. J'ai le droit de dire que la musique me saoule ou pas, hein. Il y a d'autres choses. Juste que je vérifie, il a dit croisement c'est Elgin et... Elgin populaire, Elgin Awik. Awik, ok. C'est genre là. Ouais, donc en gros on va pas remplir LSMS. Ok. Surtout pour monter nord, ça va être, pour les transferts, ça va être privé, privé quoi. Super. Non mais t'arrêtes. À quoi? Je vois rien moi derrière. Non, en vrai j'arrête d'être insupportable, c'est pas. Je suis fatigué, je suis désolé. Quoi? Ça te dit? J'ai pas compris. Il bafouille. T'as bafouillé, j'ai pas compris. Je dis, je n'y crois pas une seconde. De quoi que j'arrête? Oui, t'arrêtes. Ah d'accord. Sauf si tu joues à la reine du silence. Je vais faire écouter ça, chat.
Ah ça va, j'arrive. Oh merde, j'ai pas... Oh non, je l'ai plus sur moi. Oh non, je suis... J'avais pas vu le flic, il va croire que je lui parlais. Quelqu'un a un Walkman? Non. Oh putain, t'as acheté des CD? Ah ouais. Je sais pas, on peut pas en acheter du coup, je crois. Non, tu peux pas en acheter. Soit t'en as, soit t'en as pas. En plus, au bout d'un moment, il se casse, je crois, non? Enfin... J'en sais rien. J'ai jamais essayé. Putain, je voulais écouter les frites. Les frites? Ah ouais. C'est quoi, c'est nouveau? Bah non. Ça date de la fête de musique 2021 ou 2, je sais pas. L'année dernière, donc 2022. C'est quoi, c'est Gam qui a fait ça? Non, je sais plus c'est qui. Bah je sais pas, c'était des gens aux frites. Je vais faire une remarque, mais je vais pas la faire, elle est un peu trop violente. Comment ça? Vas-y, moi y'a rien qui me choque, hein. On va vider notre camion et puis on arrive. T'allais dire quoi? Ah, je peux pas devant London. Ah. Qu'est-ce qu'on fait après? On va commencer les transferts. Allez. Ouais, Marshall. Ouais, j'ai vu ça. On va faire rien sur les transferts. Hein. Vous êtes full? Quasiment. Ah, ce qui va être relou, c'est pour monter dans le nord pour la mairie et pour la SBC. Vu que c'est un croisement, ça... un peu chiant. Ça va être full freeway, hein, écoute. Hein. Et du coup, ouais, je disais, j'en ai que deux. C'est reçu, Roxane. Merci. J'ai des problèmes, j'ai maux de tête là, très ouais, fort. Moi aussi. Ah bah, moi ça va nickel. Pourquoi tu râles? Je râle pas. Bah si. Que je suis voilà. Répété parce que je pensais que t'avais pas entendu. Ah non. T'es pas content que je sois venu travailler, ça casse les couilles. Mais arrête! Pourquoi tu préfères que je reste chez moi? Hey! Peu de fois qu'on se voit. Je vais finir par te frapper. Comment on est traité par ses amis, ça fait du temps. Je découvre un nouveau visage. T'as vu ça? Ça ralentit très fort pour nous, ça. C'est quoi, la tailgater verte? Non, la paragon dans l'autre sens, putain, qui a arrêté au stop. Elle a ralenti très 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 fort pour nous. Salut Sierra. Ça marche, bah écoute, bonne rediff à toi et puis au fond, merci ça. D'être passé. C'est gentil. Ça marche. Ça. On reste 20 dans le camion. Oh, je suis insupportable.
En S10 dans le camion. En S10. Là, mon rêve, c'est qu'on se fasse attaquer sur les transferts. Là. Ce serait trop bien. Ce bordel. Il y a Speedy qui est posé là-bas, enfin, je crois. Un Frogger. Quelqu'un voit l'hélico? Ouais, j'envoie un message à Speedy, je sais pas si c'est où. Ouais, il est devant nous, tout droit dans le... C'est Weasel. Ouais. Ah ouais? Pas besoin d'envoyer Speedy ou... Pas besoin. Vous avez vu, t'en donner une fréquence, ça pue ça, hein. Ça va foutre la merde. Hein. Ah, hier soir mais déjà il l'avait sur la j'en discutais avec les médecins, ils disaient c'est nul à chier parce que du coup ça sert uniquement au criminel. Bah non, ça peut servir aux civils aussi s'ils veulent se mettre sur la fréquence via leur véhicule oui, de travail. Mais le truc c'est que les criminels vont se mettre dessus, vont choper un max d'infos et puis ils vont venir attaquer quoi. Je l'ai mis en secondaire hein. C'est dommage, Val, ma Roxane, elle l'a pas derrière. Ouais. Pourquoi ça part? Ah oui, ouais. Ouais. Ouais, oui. Bon, ils ont juste dit que le secteur était interdit, que les négos étaient en cours. Hein. C'est quoi, c'est juste Wiesel qui est sur cette radio? Ouais. Oui, après n'importe qui peut parler, mais... Mais tout le monde pour l'instant respecte, c'est... à part les braqueurs qui en général peuvent parler de temps en temps dessus. Ouais. Mais dans ces cas-là, Weasel leur explique que c'est pas une radio de négociation, donc... Oui. Mais je connais pas du tout. Bonsoir. Bonsoir. On a tout vu, on a tout vu la prise d'otage, on a tout vu les gens s'est enlevé et tout et tout. Ouais. Ah ouais? Bah ils les ont enlevés à 50 mètres de nous à peu près, donc ouais. Ah mais vous avez eu chaud quand même. Ouais, je pense qu'on n'avait pas forcément passé très loin. S'il leur fallait des otages en plus, je pense qu'ils se seraient retournés contre nous. Bah, le convoi, on l'a vu passer 5 minutes avant qu'ils embarquent les types. Donc... Ah oui, d'accord, ok. Ah, yes. On peut risquer de s'en prendre à la MST quand même. C'est un coup de tête, vous avez des FAP, vous commencez à tirer, vous foutez en l'air leur flica. Il y en a bien qui s'intéressent savoir si on a des M4, donc bon, à partir de ce moment-là. C'est vrai. Après, peut-être que l'info du convoi, comment ça s'est passé, ça a tourné et du coup ils ont peur de la MST parce que la MST sont des unités d'élite. Ouais, ouais. Armés jusqu'aux dents. Et attention, en plus on a Roxane Val dans nos effectifs. Bah ouais, grave, hein, j'ai mes réflexes et tout, hein. Attention. Hein. Ah, il faut Roxane. Hein. Je perds rien. Ah, il faut. Hein. Ouais, j'allais poser mon sac. Hein. Du coup, on va partir transfert, c'est ça? Ouais. Par contre, ils sont un croisement un peu relou si on doit monter dans le nord pour la mairie.
J'ai toujours un petit peu de ralentissement, mais FPS ils sont pas ouf. Faudrait que je regarde pour vider le cache un coup parce que là, c'est pas relou. Calme le chat. Alors BBMST, tu peux pas accéder au coffre ? Bon, c'est quoi ton FAP ? 22. Ah oui, 22, vous l'avez fait, c'est vrai. Ah putain, il y avait un seul N à Roxane. Je suis incroyable. Sûr il a mon nom ? Bah, bien sûr qu'il a ton nom. C'est beau. Merci. Ah, j'ai oublié de te donner la radio. Bouge pas. Toujours ton revolver de mort. Alors, mon revolver de mort, c'est pas celui-là, parce que celui que j'avais, je l'ai perdu. Donc, me parle pas de mon revolver. Mais attention, oui, on se fait attaquer, là, il faut un 9 mm. Mais t'inquiète pas, j'ai un... t'as pas vu que pendant toute la tournée, je tournais avec un 9 mm. Ah ouais, c'est vrai, ouais. La radio. Non, mon 9 mm, mon revolver, c'est si on se fait attaquer en fonction de la config, je prends le revolver. Et sur les assauts de convoi, je prends le revolver, sur les tournées, je prends le 9 mm. Cherche pas, c'est une question de préférence. Attends, mais il y a un truc aussi dans le nord. Hein. Oui. Ah, il y a un truc dans le nord. Mon Chansky. Ça va être génial. Ouais. Ça va être super, parce que ça veut dire, est-ce qu'on peut passer par la freeway? Si on peut passer par la freeway, on peut pas monter à la mairie du coup. Ouais. Si, on peut. Ah oui, tu passes par la gestion. Tu contournes par Sandy Shore. Sandy Shore, si tu peux pas recoller au silo, tu poursuis jusqu'à Grapside et c'est ok. Les détours quoi. Mais ça fait des. Oui, je suis d'accord, c'est un circuit à rallonge. Hein. Au moins, personne nous attendra sur ce circuit. Test. Et là, on donne sur fréquence. Ah, Roxane sur fréquence. Reçu. C'était quoi ça? C'était quoi le radio? C'est ma radio. C'est Wizard. Il l'a mis en haut-parleur. Ah, ok. Les clés du coup du volet. C'est Wizard, il parle plus. Est-ce ouais, que c'est vraiment du PR? Du PR. Merci Clem en tout cas pour le vol de clés. Ouais, merci. Non mais il pique les clés au passage, c'est infernal. Et toi, tu l'as déjà la clé du. Ouais! Attends. Nickel, merci. Insupportable les. Et les clés du voleur. Merci. Quelqu'un a déjà contacté quelqu'un ou c'est déjà. Rien. Fait la mairie, je suis messager. Oui, t'as remonté des impôts. Bon bah du coup, je suis porteur. Oui. Moi j'aimerais juste ne pas faire les checks, j'ai fait deux sorts de suite. Moi je veux bien être conducteur camion. Moi ouais, je vais faire les checks du coup, tant pis. Je crois que t'as plus le choix à l'endemain. Là. Après arrange-toi avec Franky, hein, sinon ouais. Bah t'es où Franky, tu veux pas faire les checks? J'ai fait deux soirs de suite, j'avoue que j'aimerais bien faire un peu de choses. Je vais les faire. Merci beaucoup. Battez-vous pas, il y en aura pour tout le monde. Tu fais quoi, moi, du coup? Tu vas aller en check. Ok. T'équipes avec moi, t'es ravi?
Ah ouais, de ouf. Voilà. Ouais, il y a cette ambiance là, entre vous. Il y a bonne ambiance là, ouais. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je sens une tension et elle est pas sexuelle. Hein. Pas assez longtemps. Non mais dis-toi quand même que tout à l'heure elle m'a dit que pour être son amie il fallait que je paye, hein, donc Bah ouais, ouais quand moment, même. Voilà quoi. On je suis d'argent moi. Je suis témoin. Balance. Putain, y a un studio à vendre moi qui attend depuis un bail pour en acheter un là. Putain. Il est où? En face de la flic SMS. Tu peux quitter ta coloc? Ouais bah ça fait... Bah en fait à la base c'était pas prévu la coloc. Et bonne nuit, je crois que ça bien. Ah, des zoubis. Mais bon bah tant pis, ça va sûrement pas assez soldé. Ah c'est marrant parce que c'est... Ouais. L'emplacement est très étonnant. Pourquoi? Alors je pense que si Liam regarde l'emplacement, il va comprendre aussi. Lequel studio? Oh bah ça ressemble bizarrement à la porte d'entrée de chez Lucas. Il y en a un au-dessus, il est littéralement. Pas de merci beaucoup pour ton 16e mois, bienvenue à toi, merci beaucoup. Mais je sais pas s'il y a un étage. Si, si, il y a un étage. Bah, c'est peut-être celui juste au-dessus de Lucas. Là, sur le GPS, pas vraiment très précis. Comment la mère répond pas? Le maire adjoint, peut-être. 49. 37. Bonsoir, c'est la MST, vous allez bien? Oui, super, super. Est-ce que vous êtes dispo pour votre transfert? Nickel. Eh ben allez. La mairie du coup? On est d'accord que tu m'appelles chef quand ça t'arrange. Bah non. Oh ouais, ça va, je peux conduire. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit. Et où mon chien de ski déjà? T'as conduit le fourgon tout à l'heure. Bah oui, enfin, t'es sûr que tu veux conduire si tu sais même pas les zones? Non mais tu me diras où il faut passer au pire. De Weasel News, nous vous rappelons que la zone... entre Elgin Popular et d'interdit d'accès, également oui, Elgin Spanish, il y a une prise d'otage qui est en cours. C'est pour le moment aucun otage à libérer, il y en aurait au moins. Oh, on peut pas passer, je vois. Nous reviendrons vers vous quand nous aurons plus d'informations dessus. Mais... il y aurait également en même temps une prise d'otage dans le nord. C'est mon chance qui, parce que le problème c'est que si c'est au silo par exemple, j'appelle ça mon chance qui quand même. C'est possible de mettre le mot de sécu sur le répondeur s'il vous plaît. Rafi, c'est quoi le mot de sécu? Et ma lettre récupérée. Vide, ça te va? Ouais. Du coup, bah, on va pouvoir y aller un réseau. Et bah, allez. Allez, en voiture. Message à bord. On va où là? Pour la Pacifique? Non, on va à la mairie nord. Oui, il y a de l'argent. Les impôts. Hein? On passe par la freeway du coup? Attends. Check us prêt. Camion, on est ready. Départ qu'on voit. Voilà. On passe par la freeway du coup? Non, à droite. Oui, on va rattraper la freeway, mais à droite là pour l'instant. Attendez, stand-by. Tu vas remonter jusqu'à la station Clinton en gros. Ouais, après je prends à droite. Tu montes jusqu'à Clinton, tu prends à droite pour aller jusqu'à la station et après tu remontes le Guin et ensuite on prend la freeway à partir de l'entrée casino. Ça te parle? Pourquoi on prend pas la freeway directement depuis là? Parce que il y a... Depuis où? Bah depuis les urgences. Parce que là, il y a la connerie de truc au niveau de. Juste au-dessus de la freeway, il a dit on évite.
si on se fait attaquer, tu te souviens comment on positionne le véhicule? Ouais, je me souviens comment on tire aussi. Non, mais c'est surtout comment positionner le véhicule dans un premier temps. Ouais. Pour info, la Tiger verte qui est garée au trottoir opposé à l'entrée de la Pacifique tournait déjà autour de la Pacifique tout à l'heure, faudrait être vigilant. Donc là, là tu peux prendre à droite et on prend freeway et puis zou. Quand on va faire en milieu de semaine, bah, le mardi ou le mercredi en général, quand on va faire les mairies, on leur ramène les impôts des entreprises. Comme ça les mairies récupèrent les impôts. Et après derrière on fait le transfert. Transfert mairie. Alors après en repartant, la mairie vient pas avec nous. Pas la Pacifique. Si, si, ils vont faire un dépôt au passage. Et là, du coup, vu que sur le retour, le camion sera tout seul, on décroche quand même. On décroche pas, hein. Y'a pas de. Si, si, on est checker, on décrochera. Même s'il est tout seul. Le camion sera autonome. Notre boulot de checker, c'est de sécuriser la Pacifique. Le convoi, qui est composé d'un seul camion, se démerdera. Tu as des verrous ou quoi, ou non, est-ce que je suis focus sur l'arrière moi? Moi je... Bah regarde plutôt devant, je regarde sur les côtés et l'arrière. Ouais, mais je regarde surtout que je m'éloigne pas trop du camion. Ouais, mais je te dirais au pire. Je check dans tous les sens, pour l'instant je vois pas de gyro, je vois pas de truc. Je vois pas l'hélico. Ah si. Ouais, donc c'est... Oui, je vois les voitures shérif, c'est au sommet, bah, c'est vraiment dans les hauteurs. Il y en a un qui se casse la gueule d'ailleurs. À droite, tu veux dire? Il y a des tirs à droite. Ah oui. Bah oui. Oh là là. Ah, faites gaffe, ça tire au niveau des silos. On passera pas par là en retour. Ah, on a pas trop le choix. Hein. Non, on passera grave side. Vas-y, en manche. De positionner en arrivant à la mairie. Je passe dans la ruelle à Quota. Tu passes dans la ruelle, tu te mets en bout de ruelle côté côté Paletto Boulevard. Et tu te mets en travers côté Paletto Boulevard.
dans la petite rue. Darkside, au bout de la petite rue. Je joue au ciné, bon RP. Et bah écoute, bonne soirée à toi et puis bon film. Profite bien. Merci d'être passé, c'est gentil. Bon, avec un peu de chance, ils étaient tellement focus à tirer qu'ils ont, ils nous ont pas vu passer. Ouais, c'est possible. Hein. Attention au radar. Attention ambulance, attention ambulance. Doucement leur Axel, ils ont pas la même que nous. Hop, là tu prends la petite ruelle sur la gauche. Et tu te mets au niveau des poubelles vertes là en travers. Et j'étais pas attaché. Confiance. Tu peux rester à bord toi. Ah ouais? Ouais. Et message est pété. Et il va l'être récupéré. Non, je... sortir. Non, je vais juste sortir pour bien. Pourquoi personne répond à la radio? Est-ce qu'il annonce message à bord. Hop, et tu repartiras à droite derrière nous là. De Blackfin qui était garé devant sera le taxi. Moi aussi. Allez, let's go. Il est. Et du coup, départ, on peut y aller. C'est ce que j'attendais. Oui, oui, je me doute. Attachez bien vos ceintures, boire, manger. Tu passeras par Grapside. Ouais. Alors, pas forcément Grapside Cendre, hein. Jod Lane, ça ira très bien. Donnant que Weasel, ils ont pas communiqué là sur ce qui s'est passé dans le Nord.
Ouais, bah peut-être qu'ils sont tellement focus sur leur nouvelle radio qu'ils ont oublié de passer les messages. Alors ça se fout, tous les shérifs sont à terre et du coup ils sont... Non, je viens de voir le Granger Sheriff rentrer et il n'y a eu qu'une seule ambulance que j'ai vu passer. C'est chelou si ça passe. Je pense que c'était du tir d'intimidation ce qu'ils faisaient. Bah je sais pas, il y avait des mecs derrière la grange. J'ai vu les tirs venant du toit qui est derrière les silos, ouais. Tirer vers le vers les granges. Je... Il y avait un type derrière les granges. Mais je pense que c'est lui qui s'est fait tirer, mais... Non, il va le faire derrière. Je vois pas. Elle est passée dans le trou. Elle est passée dans le trou. Ah. J'ai pas fait gaffe. Tourner la tête à ce moment-là. On va passer Grabseed, Joshua, John Lane, Seaview, Sandy Shore, la route devant l'aérodrome, que j'ai oublié le nom, Panorama. Los Santos. Et on récupère le Los Santos Freeway, la Los Santos Freeway pour finir de descendre. Ça te va? Yep. Enfin, le camion va les ralentir là. Je vais passer par du MDI. C'est. Roule, roule. C'est. Je te dirais. C'est à partir du. En gros, on rentre pas dans Grabseed Avenue, on rentre pas dans Grabseed. Là, je prends à droite là. Oui, à droite. Droit. Prochaine intersection, on roule, on roule. La prochaine intersection, ça sera à gauche. Otapius, merci beaucoup pour ton 29e mois. J'ai oublié les rues du Nord, quoi. Ça me... J'ai toujours galéré mon orientation. Dans à gauche, ouais. Dans le sud c'était ok, mais dans le nord. Merci beaucoup pour ton 29e mois, merci beaucoup pour le soutien. Moi c'est l'inverse, dans le sud je connais pas encore. Que ouais, 29 pour emballer un an de plus. Coucou un Léonie. Un de plus. Reste un de sage, plus, hein. Merci beaucoup. T'as plus. Et à gauche. Enfin, doucement, 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 doucement. Le camion il accélère pas comme ça. T'inquiète pas, tout va bien. Ça va, t'inquiète. Des fois, la fleur il pétait un cap quand je conduis en patrouille. Par rapport à quoi? Bah, des fois, on doit aller à des endroits et je faisais un putain de grand détour. Ah, parce que tu connaissais pas ton terrain à droite. Ouais. Là. Mon orientation elle a chier, non? Ouais. Moi je te rassure, dans le sud, tu me dirais d'aller d'un point A à un point B, j'y arriverai. Hein. Mais je prendrais sûrement pas la route la plus courte. Hein. La différence, c'est que la route la plus courte dans le sud est plus compliquée, alors que dans le nord, bah, y a tellement peu de routes que... Ouais. Que tu peux moins te tromper, on va dire. Et l'avantage, moi, genre, à gauche. L'avantage dans le sud de bien connaître l'environnement quand t'es au LSPD, c'est que tu peux lire les rues avant même d'y être quand t'es en CP, tu vois. Ouais, j'entends bien. Ouais, ça c'est cool.
décrocher. Bien reçu, on décroche. C'est vide dans le mode sécu, c'est ça? Vide le mode sécu, tu sais faire les double checks? Non, on m'a pas encore. Faut le tester, sûr. Est-ce que tu connais ton tracé double check? Non. Eh bien, on va faire du simple check dans ces cas-là. Et après, on discutera, je te montrerai le simple check. Comme ça, pour la prochaine, on pourra faire ça, on pourra faire double check. On peut tenter la double, hein, tu me dis. Dis ce que je check. Hein. Tu l'as dans les procédures. Dans les procédures transfert. Je sais pas si tu peux avoir la liste à côté de toi. Tu regarderas, c'est 6-2 agents, c'est marqué en gras. 6-2 agents double check. Pour la checkeuse, la partie checkeuse. Yep. En gros. Ouais, tu... Los Santos, ouais, direction sud. Si t'es. Toi, tu vas prendre le check 2, dans ces cas-là, tu feras le lobby arrière. Donc, lobby arrière, salle des coffres, guichet, hall, lobby okay. Avant. Tu veux que je fasse check hall là là qu'on arrive et tout là. Bah non, c'est moi qui suis passager. Checkeuse arrivée sur site. Donc moi je prends les... Donc toi tu prends à partir de l'arrière, moi je prends à partir de l'avant, ok yep. Tu l'as sur... T'as ta procédure sur le côté. Yep. Et bien c'est parti. On est sur Integrity Way, direction ouest. C'est reçu, pour info on a toujours la Tailgater verte qui est stationnée à l'opposé de la banque. Supercar qui vient de prendre la ruelle en face. Reçu. Et le taxi est déjà sur place. On va rentrer, je rentre par l'avant. Reçu, Altatri direction nord. Lobby avant RAS. Derrière aucun. Occupation ouest. Escalier dégagé. On prend Carcer Way. Salle des coffres. Reçu. Mezzanine clear. On est sur Eastbourne Way, ouest. C'est ok. Ça. Bureau, tout va bien. Reçu, Dorset Drive, direction est. Lacunas Boulevard, direction nord. Lobby arrière RAS, je sors. Le principal cœur, je sors aussi. Hein. Extérieur arrière, une moto vient d'arriver, une personne avec une mallette. Reçu. Power Street, direction nord. Une personne dans la Pacifique, côté arrière. Reçu. Roxane, c'est ok de mon côté? C'est ok. Mais du coup, Pacifique sécurisé.
C'est reçu, on est sur Clinton Avenue, direction ouest. On prend APTA Sud et on va se mettre en place. C'est reçu. En place. Tranquille en place. Bien sûr. Messager pied à terre. On rentre. Mallette transmise, message au guichet. Et transfert terminé. C'est reçu. Et bonsoir. Et bonsoir. Il y a même votre taxi en plus. Yes, si, ça va, super. Et merci beaucoup. Pas de soucis, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Je vais faire payer le contrat. Même pas, j'ai oublié. Mais j'ai tellement mal au crâne que Roxane, je la vois changer de couleur de cheveux toutes les secondes. Ah oui, d'accord. Ah non, moi elle est pas la même couleur de cheveux, Roxane. Tu peux mettre genre un casque ou quelque chose, s'il te plaît. Ça change la chose. Ah, je sais pas. Ah, nickel, merci. T'es cool. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour l'endroit? Ah, mais c'est insupportable ce soir. Et bonsoir, c'est good, on peut rentrer, c'est bon. Ah. Ouais, allez-y. Ouais, ça marche. Merci à vous. Bonsoir. On prend des pots. Eh ben, on rentre. On va aller en tout. Ah bah oui, après je vais te dire le contenu des questions, c'était est-ce que vous avez confiance en vos collègues, est-ce que vous avez un doute sur un de vos collègues, paye ta question. Tout à fait. Bien reçu, merci. Donc voilà. Yep, ça marche. Mais nous là, on va tourner, on va continuer les transferts. On en a encore deux, donc de quoi ? Bah là, on est en transfert. On rentre au dépôt et on va prendre le prochain client. Je sais pas qui ce sera. Oh, le bruit de la sirène.
Non, j'ai pas entendu. Tu vas plus être avec moi. Ah ouais? Le bruit de la sirocco, c'est une dinguerie. Ah, c'est. Moi, je trouve qu'elle fait peur juste par le bruit du moteur. Quoi. C'est un dragster, le truc. C'est un monstre. Tu vas faire quoi, là, du coup? Tu vas être avec. Je pense que tu vas être avec Georgia, vu qu'elle est formatrice. Tiens. Et qu'elle arrive. Voilà. Je vais retourner voir Doc Mif, vite fait, j'arrive. Ok. Par... C'est chiant que c'est pas fluide comme ça là. Est-ce que je peux regarder vite fait le cache? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Hop, voilà. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. Ah non. Bienvenue. Essaye, ça va et toi? Oula! Fayem, il est en PLS!
Mais c'est bizarre, lui et Val, c'est pareil, ils ont très beaucoup mal au crâne. J'ai encore perdu mon écran. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, je sais pas, mais ouais. C'est... Ouais. Bah, c'est bizarre. Ouais. J'ai tourné toute la soirée avec vous, moi tout va bien quoi. En fait, ce serait pas des gros maux de tête, mais. Bah, enfin... Mais c'est juste agréable. C'est ça le souci, c'est peut-être toi qui as mal à la tête. Peut-être toi le souci, Francky, en fait. J'avoue. Ouais, peut-être. Hein. Comment c'est ça? On a trouvé le souci. T'es le seul à avoir tourné avec les deux. Ouais, donc c'est moi qui leur fous mal au crâne. Ok. Ouais. Je signale que London n'était pas avec moi sur le dernier trajet. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est vrai ça. Alors, du coup, je propose un truc et après, voilà. Juste pour ton truc, ah, la Georgia qui arrive. Ah, d'accord. Oh, bah c'est nickel ça, regardez. Oui, mais c'est pour ça que je te le Roxane messager, Georgia porteuse. Ok. Tu veux être conducteur, camion. Il manque un peu des gens. Bah vas-y, si tu veux, ouais. Ah, il manque Liam encore. Il manque Liam, mais du coup, il manque London. Il manque London. Et du coup, Jonathan, je sais pas s'il vient ou pas. Ouais, mais je vais l'appeler. Ici, on arrive en mode. Par contre, il va peut-être y avoir split, du coup. Je crois. Va peut-être y avoir split, vu l'effectif qu'on est. Rogers, c'est quoi? C'est sans assurance? Rogers, il me semble que c'est sans assurance. Oui. Rogers. 1000, ouais. C'est sans assurance. Ouais. Ah oui? Bah, tant que tu n'as pas de... Comment c'est, de remède pour ta tourwerk, vas-y. Je m'en voudrais que tu sois malade, Georgia. Oui. Oui, mais plus encore, tu vois. C'était comme ça, je sais même plus. Ça tourne mis à zéro, c'est chiant. Non, mais ça va, t'inquiète pas, je le constate. Je l'ai constaté, ta twerk, t'inquiète pas. Bah, c'est vrai. Tu constates certaines choses, toi, Meryl. Je suis la mauvaise que toi. Mais comment ça? Et bonsoir. OMG! Attends, on est une majorité de femmes? Incroyable. Non, attends. Il y a London et Liam qui vont revenir, là. Bah, dans ce cas-là, on est en parité. Je sais plus comment il était, le téléphone, il était pas si mal. On est en parité, oui. Ah non, bah non, on arrive, donc vous êtes en minorité. Non, non, on t'est jamais. Ah bon, bah, du coup, c'est bon, ça va. Ouais. Il finit sa tournée, puis il s'en va. Oh, c'est trop beau. Oui. Et bonsoir à tous. Ça va, parler de décès? Ça va, et vous, chef? Ça va, très bien. Bon, je vais me changer vite fait. Oui. Je sais plus quoi, est-ce qu'on fait deux équipes ou pas? Après, il n'y a pas beaucoup non plus. Ça va pas le coup, je pense. On n'est pas sûr de surcharger. London vient de dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre. Ah, d'accord. Ouais, bon, bah. Oui. Ah bah dans ces cas-là, oui, la question est à moitié réglée, du coup. Bah d'accord, et bah du coup, on fait... je répète. Roxane Messager, Georgia Porteuse, Francky, tu conduis le camion. Moi et Erin, on va aller en check. Et Liam et Pierre en suiveuse. Mais ça marche. J'appelle la SBC, du coup. Parole. Voilà, je pense que c'est un bon programme. Hein. Oui. C'est pas mal. Je les appelle. Ils sont là. Et là, la SBC va pas répondre et ça fout tout le programme en l'air. Pas reçu.
C'est super. Bon bah ça répond pas hein. Les deux ah. Les trois même. Oh. Oui mais Rogers non plus. Ah, je vais essayer. Ah oui c'est de ça que je parlais, je sais pas, je vais essayer. Rogers. C'est Rogers c'est le dernier. Mais oui. Ah mais c'est Mimir. Ouais il sera là. Oh non pas Mimir. Non on fait pas ce transfert. Ah puis t'es porteuse en plus. Quoi c'est une blague? Non je veux pas être à côté de Mimir, il sent mauvais. Bonsoir. Oui bonsoir, ça vous allez bien? Oui, ça y est, ouais. Ça va nickel. Vous êtes dispo pour le transfert? Oui. Ça marche. Bah, on arrive du coup. Bah, je suis pas encore en urgence, mais je vais en route de suite. Ça marche, à tout de suite. Hein. À tout de suite. Et eh ben, let's go, Rogers, du coup. Hein. C'est bon? J'ai répondu, ouais. Oh non. Eh ben, let's go. Non, mais pas Mimir. Mimir, il est méchant. Mimir, bah, c'est parti, sur l'échelle des gens que j'aime, il est juste au-dessus de Liam. Ah oui. Ouais. Ah oui. Bon. Il s'est élevé ou pas du coup? À ton avis, Erin? Moi je pense pas. Oui. Je pense pas non plus, malheureusement. On est parti? Quoi que Liam récemment est remonté et Mimir est descendu, donc bon. Peut-être qu'il y a eu une inversion d'épaule, on verra. Eh ben, let's go. Eh ben, bah, c'est parti. Eh ben, feu. Je vous préviens, hein. Et bienvenue à bord du fourgon, et on a London qui vient de... Ouais, ce que je me disais. Tout le monde est pris dans le fourgon, ça va? On l'attend. Ah oui, mais je vous préviens, ça va être awkward, hein. London, si tu veux, on t'attend. Non, ça va pas trop, donc allez-y. Fourgon prêt. Chacun se prête. Je sais pas où t'es bien, mais du coup, allez-y. T'as ta formation ou pas, Val? Roxane. Non, y'a un de validé encore, mais il est aucun. Ok. Ah, du coup, je suiveuse prête. Ah, c'est reçu les doubles. J'ai fait les doubles checks avec elle. Juste le transfert d'avant. Ok, bah du coup, là, je te coach messager. Ah, normalement, ça devrait aller. Ouais, bah t'inquiète, de toute façon, je connais probablement moins bien que toi, donc. Qu'est-ce que j'aimerais un klaxon qui fasse? Quoique c'est un petit peu trop... Ça fait un peu trop nordiste ce klaxon. On a zéro nouvelle sur la PO du Nord, hein, à part que le BSMS prend les appels d'urgence. Moi c'est peut-être parce que tout le SS s'est fait coucher. Hein. Hier soir, t'as déjà du monde qui s'est fait coucher, apparemment, donc... Mesdames, je suis sûr que Mimir va être ravi d'avoir... Vas-y, dis ta phrase de beauf, là, avant que je te défonce. Un véhicule garé sur le parking... D'avoir la MST qui va s'occuper de lui rapidement. Elle a l'habitude, elle est conjointe de la fleur, donc bon. Oh oui, moi, mais y a pas attention, hein. Allez, après vous. Bonsoir. Je suis rien. Ouais, je suis rien. Oh, d'accord, ouais. C'est bizarre, j'ai qu'à faire un transfert. Regarde dans tes textos, le dernier texto que tu m'as envoyé, et puis après on en reparle. Je t'ai envoyé un texto? Oui, le jour de mon mariage. Ah oui, putain, ça remonte. Oui, en même temps, pour ce qu'il avait fait, bon. Ouais, bah en quoi je suis responsable légal de ce que fait Joseph Kleber? Alors, voilà. T'es prêt à noter ou pas? La prochaine fois. Non, bah non, je l'ai pas adopté. Non, mais noter pour le montant. Oui, vas-y, tu veux. 224 077, la vache. Attends deux secondes. Attends, sinon je te le dis chiffre par chiffre, tu préfères. 224 077. Ouais, c'est ça. Elle est sortie.
C'est reçu. Peut-être combien? Bonne question. 8, non? C'était pas parité du coup? Non, parce que London n'est pas revenu, donc on est 7, je crois. Ok. Déjà à bord. Et bonsoir. Super. Ça va bien? Et le départ qu'on voit. Bah oui, ça va être. Et je vous laisse attacher votre ceinture. Bien vu ça. Vous voulez un taxi? Oui, je vais bien un taxi s'il vous plaît. Après sinon tu pourrais lui proposer un tic-tac en vrai pour l'alien, ça aurait été mieux. Oh. Super, et l'ambiance en ce moment est terrible. Ah, du coup le mien a besoin d'un taxi. Et d'un tic-tac. Mais sachez que vous êtes le bienvenu dans les convois MST. Ouais. Ah ouais, ça dépend des persos dedans, j'ai l'impression surtout. Ouais. Ah bon, je t'aime bien, Jojo. Ouais, faut faire attention à qui on insulte le jour de son mariage, quoi. Bah. Oui. Tu peux dire à la chicasse de décrocher, tu peux. Non, non, il reste avec nous. T'en fous, y'a pas d'assurance. Voilà. Ah! Ce Mémir il a pas d'argent donc. Bah on a pas de sous Rogers. Non, il est juste trop pingre hein, parce que de l'argent il en a. Hein. Et oh, j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Ouais, bien sûr, Rogers ouais, t'as pas d'argent. Oh, oui, alors là. Il est tellement pauvre, tu veux que je raconte l'anecdote de pourquoi t'es tellement pauvre qu'il y a une justification? Oula, mais je suis curieux de l'avoir dis donc. Il est tellement pauvre qu'il est prêt à donner des informations à un groupe criminel pour avoir de l'argent. Des non, pardon, pour, d'envoyer un message. De la part d'un groupe criminel pour avoir de l'argent. Ouais, mais c'était à l'époque, ça, j'avais pas de sous. Frère, en c'était plus... il y a deux mois que t'étais déjà patron oui, de Rogers. Donc, non, j'étais pas patron de Rogers. Vous venez de dire quand même. Non, j'étais pas patron de Rogers. Non, mais vous venez de dire quand même à l'instant, c'était à l'époque, j'avais pas de sous. Ce qui sous-entend que vous avez des sous maintenant, du coup. C'est vrai. Oui, c'est pour ça que je fais des pourboires. Mais non, j'étais pas patron. Sinon, je l'aurais certainement pas fait. Mais, Mimir, t'avais été haut placé dans littéralement toutes les entreprises de l'île. Et non, j'étais qu'employé. Non mais employé tu gagnes pas de sous Ouais bien sûr. Et quand t'étais maire adjoint aussi tu gagnais pas de sous Ah si là j'ai gagné du pognon ouais mais j'ai tout claqué. Ah ouais. T'as tout claqué dans quoi? T'avais déjà ta villa? Mais j'ai pas de villa. T'as un appartement Luxor je sais pas quoi. Mais non, oui des appartements mais... Et j'ai visité hein, mais il restait pas de m'enfumer hein. Mais... C'est toujours un plaisir. En gros j'ai investi beaucoup dans l'appartement, j'ai acheté des voitures, j'ai acheté des cartes grises. T'as investi dans la crypto-monnaie Mimir, c'est pour ça que t'as plus d'argent? Et oui, les crypto-monnaies. Qui repartent du hall principal, hein, par l'avant. Bien sûr. On va attendre qu'ils sortent. Et Erin en position du coup. J'ai gagné à Bilou en tant que PM. Ah oui, bonsoir. Ah, on savait pas que vous étiez là. Attends que les armes nous disent. Roxane, si jamais tu veux nous entendre, tu parles très fort parce qu'on s'entend. Ça va, ouais, c'est ok, vous pouvez descendre. Ok. Et messager pied à terre. Et du coup, vous êtes combien? Tirez 5. Je crois qu'on est 7, mais. 7? Il me semble qu'on est 7, oui. Tu peux vérifier ou pas? Ouais. Messager ou chier. Non reçu. Non pas en radio? Non reçu. Ok c'est reçu. Mal transmise. Je confirme on est reçu. Excusez-nous, ça prend un peu de temps, le client a du mal là. Pas de soucis. Hein.
transfert terminé. Reçu. Merci bien. Genre j'ai trouvé des trucs pour Fab maintenant, incroyable. Je sais pas. Bah ouais, il y avait une seule couleur pour les Fab. Ah oui. Et tout le monde a la queue leu devant moi s'il vous plaît. Appelez les taxis. Moi? Oui. Bah non. Ah. Il fallait bah, le faire? Bah oui. Bah je vais le faire, c'est pas. Bon, bah non, mais Bah non, mais normalement c'est pas forcément le porteur qui fait, moi je le fais. Oh, bah vas-y, on m'a dit que c'était ça. Ah bon? Ah bah excuse-moi. Pas de soucis. Après c'est Mimir, c'est pas très grave hein. Mimir, je m'en fous, je suis pas assez minutes. Oui, c'est bon. Ah bah non mais j'ai pas appelé les taxis. Tu fais ou pas Axel? Ouais, je suis en train de le faire. Valère en train d'appeler. Ok d'accord, ça va. Merci. Excuse-moi, j'étais trop occupé à m'engueuler avec Mimir. Si tu peux retenir quand même Mimir. Mais c'est vrai. Et bien franchement Mimir. Mimir est très insolent. Mais je deviens fou. Les taxis sont appelés hein. Ah merci bien. Alors du coup, pour que tout le monde le sache, Mimir a investi dans la crypto-monnaie et il a tout perdu. 1 million parti en fumée, voilà. Pardon Pierre. Super. Mais, non mais attends, mais il y avait Pierre, mais pourquoi il a pour moi? Non mais lui il a pas de pourboire en fait. Trop tard. Trop tard. Oh putain, mais c'est vas-y go. Merci Mimir, c'est toujours un plaisir de recevoir tes pourboires. Toi, tu mérites pas. Toi, Eliam, vous méritez pas de toute façon. Bah, y'a Eliam aussi, non? Y'a ton pourboire? Bah, parce que vous êtes des grands garçons et vous avez plein de thunes déjà. C'est pour les employés. Et c'est bien parce que les autres patrons ils ont plein de thunes, mais toi t'en as jamais, hein, Mimir. Mais j'ai de faire quoi là? Non, mais comment je te demande si t'as de la thune, tu me dis non, hein. Ah, mais. Faut différencier la chose. Ah, oui, bien sûr, excuse-moi. Bah, là, ça fait merci beaucoup pour ton 25ème mois, bienvenue à toi, merci beaucoup pour le soutien, 25ème mois. Let's go, bébou! 176 000. Merci beaucoup. Bah, c'est même pas une blague! Et en crypto-monnaie, t'as combien? Oh non! Oh, putain! Oh, attends, bah, j'ai plus rien, le tasseur a pété! Il a pété le tasseur! Oh. Tout le monde va bien? Ouais. Tout va bien. C'est la banque va bien. C'est comme ça que j'ai dit. Voilà. Le datacenter a pété à cause d'un tremblement de terre, du coup j'ai plus de sous. Ah oui, ça doit être ça. Oui, c'est vrai. Ah non, c'est fini. Non. C'est déjà fait. Bah non, ouais, j'ai investi de ouf. Genre, j'ai 150 balles de jetons. Voilà. 150 jetons ou 150 balles de jetons? Bah j'ai un jeton de 3 et un jeton de 50. D'accord. Ah tu peux aller loin avec ça. Ah oui, donc c'est vraiment la pauvreté jusqu'au bout quoi. Ah c'est la précarité pour venir sur ça non? Ah ouais, en tous les millions là. Sa tenue est full Caillou Perico donc ça se voit qu'il a au moins pas bah, les chaussures, ni la casquette, ni les lunettes. Ah excuse-moi, du coup t'es juste à 10 000. Et bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis désolé, vous avez pas... le jeu d'agréable, mais bon, écoutez, on a parfois. Ah, parfois attendez, vous voulez dire votre pourboire? Ouais, je vais le prendre. Vous voulez un pourboire de combien à peu près? Je suis pas là pour ça. Ah, bah, 5000 je vais retirer. Dans le doute, donnez tout. Vite le compte entreprise, Mirka, nickel. Ah, il y a 10 dollars. Super. Bonne soirée à vous, bon courage. Bonne soirée. Oui, la compta. Oui. Et moi, on peut rentrer? Je vais faire sur la route. Yes, let's go. Ouais. Moi, j'attends. Ah non, il y a Francky qui attend les mecs. Ah oui, c'est vrai. Oui. Moi, je peux faire la compta ici. Ouais, tu sais faire la compta? Oui, je pense que c'est sûr, sinon elle me demande. Je sais tout faire déjà. Ah, tout est vrai. Oui, enfin, oui, non. Juste déposer de l'argent. Oh là. Bah du coup je veux bien que tu me rembourses bien. Ah bah oui, et tu vois j'avais oublié. Tu vois j'avais oublié. Oui. T'as quoi? Ah oui. Ah mais Pierre il est là aussi. C'est quoi comme voiture? Cogno Santi, je crois. Cogno Santi grise NS. Pierre il est là aussi ou pas?
Mais Pierre, il est là, oui. Même moi qui suis pas entendu. Et Pierre, il est là, il a parlé. Okay. C'est qui est pas là? Jonathan? Non, c'est pas Jonathan, c'est Jonathan. Jonathan, il est pas là. Mais il est où? Pas là. Comment ça, il est où, quoi? Merci pour les deux qui ont la ref. Et qu'on t'a faite. Merci. Mon appel et SMS vient d'être pris. Youhou. C'est super, Francky. Pourtant, ça t'allait à ravir le rouge à lèvres. Bah, c'est pas le mien. Hein. M'étonne pas. Ça je sais pas. Pourquoi moins de ça vu, j'ai vu une masse noire faire un demi-tour. C'est ballot, Gorgia, t'as pas croisé Val en tournée tout à l'heure. Elle était à peu près comme moi qui prends un café. Ah non, c'est vrai, elle était sous cocaïne. Ouais, j'étais vénère tout à l'heure. Let's go. Ça, c'est ma Roxane, ça. Quand je suis fatiguée, c'est ça. Généralement, quand on est dans ce mood-là, on défonce l'IAM. Ah ouais? Moi, j'ose pas trop. Allez, mets-toi là. Ah ouais? Ah merde, c'est bon ça. Ah oui, quand même. Apparemment. Ah, le devant. Ah non, le bureau du FBI, carrément. C'est où? Apparemment, il ah y a bon le FBI devant. Bah, c'est... Tu peux le guide? J'ai rendu l'SMS. Ah oui, ah, okay. D'accord. La tour entière. Je sais pas. Bah, c'est pas loin de chez nous, ça, quand même. Bah ouais, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que je dis, que c'était pas loin de chez nous. Ouais. Tant que la MST va bien. Bisous, Jess, bonne nuit. Bien, bien. Ouais, on y va, on va voir. Allez, il y a un truc au bureau du FBI. Mais ça c'est cool. Bah, c'est cool apparemment. Oh bah. J'ai aidé les voleurs. En fait, de toute façon, ils sont jamais là, ils en branlent pas une donc. Mais ils sont devant le bureau là. Ou alors j'ai rien compris ce qu'on m'a dit. Ils font voir un retour des pauvres. Ah, bon, retour dépôt. Ouais. Ok. Non, c'était très bien. Hein. À part moi qui ai pas prêté attention au fait que tu m'as dit d'appeler un taxi, mais. Ça marche. J'avoue, je t'ai occupé de parler une meilleure. Et le annoncer le pied à terre quand on. Ouais, je savais pas trop s'il fallait l'annoncer. L'arrivée à la Pacifique ou l'arrivée à Rogers? L'arrivée à Rogers. Ouais, ouais, tu peux l'annoncer. Pour que les autres sachent où t'en es. Est-ce qu'on voit quelque chose d'ici? Un hélico du SPT. Ouais, vois... Non, mais je regarde sur la partie haute. Non, j'ai rien vu. Non, on voit rien là. En bas? En bas de ce côté-là, ça a l'air ok. Merde, j'ai raté l'entrée. Il y a le SMS là. Ah, le FBI. Il y a pas le droit. Hop là, heureux. Heureux. C'est bien passé. Ouais, nickel. Hey, il m'a effrayé le problème de terre. Ouais. Bah, apparemment, au FBI, ça a pas tenu. Oh le ah, juste en face, ça hein. J'ai pas regardé. Bah, je sais pas, mais apparemment. Insupportable. Go, London. Salut.
Bon, messager, du coup, tu retentes. Tu veux tenter ta validation ouais. Ah non, pardon, tu veux tenter d'appeler. Hein. Je vais noter sur ton. Pourquoi on peut tenter la validation? C'est comme tu veux, hein. Moi je. Je vais voir avec les autres avant. Non, mais du coup, Erin, elle me disait qu'elle aussi avait pas de soucis, donc c'est moi en fait, tu es. Est-ce qu'on peut tenter la validation pour Roxane, du messager? Si jamais on a quelqu'un qui répond. Il reste que SBC et oui. Il répondait pas tout à l'heure, donc faut essayer. C'était tout bon, Georgia. Ouais, pour oui. Moi, c'était tout bon, c'est juste moi qui ai pas écouté pour l'histoire du taxi parce que j'étais en train de m'engueuler avec Mir sur la crypto-monnaie. D'accord. Voilà. Non, mais c'est pour toi, c'est tout bon, Georgia, y'a pas de soucis. Ouais. Bah, pour moi, ça me paraît plutôt correct. Il y avait juste le pied-à-terre à l'entreprise qui n'a pas trop été annoncé, mais on était tous là, donc bon, ça n'a pas eu un grand impact. Et le retour des pots, mais bon, comme elle était occupée... Oula. Oula. Quoi? Ça tire, oui. Non. Bah, ça répond pas. Les hélicos juste au-dessus, en plus. Oui, bah c'est surtout que ça tire dans le FBI. Ouais. Attends, s'il tire sur le volcan, le FBI, ça va pas marcher comme ça, hein. Mais je crois pas, hein. Bah, l'Amérique, hein. L'Amérique a fucké. Ouais. Ça répond toujours pas? Non. Bon. Oh. C'est qui avait laissé le message la dernière fois? Ah, bah voilà. Ah, c'est bien qu'on va pouvoir sortir par l'arrière de notre parking, c'est ça. Nickel. Alors, ah, parce que... Pigeon est parti dans le dépôt. Let's go. Il y a que Erin qui est motivé. En vrai, il y a de quoi faire des bombes cache-cache ici. C'est sympa. Mmh. Liam, fais gaffe si tu veux sortir. Hein. Oui, c'est tout verrouillé, tout le secteur. Ouais, et puis ça tire aux alentours. Donc. Passe quoi ? Et si tu pas. Ah bah, on sait pas. Ouais. Pas à gauche, les coups. Bah c'est chez nous de toute façon. Oui, mais ça tire. Ouais, mais ça tire, ouais. Ça tire donc. Sûrement par rapport à ce qui se passe, ouais. Il est en mode bas les couilles. Ouais, il y va, ouais, tranquille. Ouais. Bah, du coup, si personne répond, fin de service. Mais enfin, tu ouais. Tu t'appelles Bénice ou pas ou avant ? Bah, il va avoir du mal à venir, autant que nous on a du mal à sortir. Ils peuvent pas par là, par l'avant. Ouais, on peut passer ouais, par l'avant. Bon, on va directement à leur dépôt. Update, y'a rien. Update, y'a beaucoup de fumée. Beaucoup de fumée. Ah. Venez voir là où on est. Oh ah, oulala, gros, oulala. Putain. C'est tout de même qui tombe là ou comment ça se passe? On est d'accord. Ouais. Oui, il y a beaucoup de fumée et un truc qui se pète la gueule. Oh, oh ça mais. Non mais quoi? Hein? Y'avait pas un gratte-ciel ici avant? La vue est dégagée. Ah. Mais what? Mais what? Mais what? Y'avait un gratte-ciel ici? Vous êtes sûr? Mais oui! Il manque un truc là. Y'a la tour FBI qui vient de disparaître. Mais oui, hein. Ah bah ouais, là y'a pas grand chose hein. What? Putain ouais. Oh. What? Ah ouais. What? Ah ouais chaud. Ouais, c'est cool ça. Oh bah ça fait plus de luminosité je trouve, moi j'aime bien. Ah, en vrai Jerry il aurait dû garder son appartement ici parce que là vu dégagé hein. Il a vu directement sur le petit parc et c'est top. C'est la tour FBI, non? Bah oui. C'était la tour FBI. C'était, oui. Oh non, je suis bugué. Oh, y'a quelqu'un qui peut m'appeler, s'il vous plaît?
Ouais, je crois qu'il va falloir faire pareil pour moi, ouais. Ah, c'est très chiant là. Oh, les doués là. Ouais. Allô. Merci. Oui. Oh, je peux pas. Oh non. Tu veux que je t'appelle en scène ou quoi? Non, bah, Pierre, il le fait, mais. Ouais. Oh, quel enfer. Bon, bah, je vais voir Doc Mich, je reviens. Très bien, vous allez vous abriter au cas où il y a un deuxième bâtiment qui tombe. Hein. Ok, Garcia. Moi, je dis ça, je dis rien, mais. Oh, le bordel, hein. Ciao. La vieille, c'est ciao. On peut pas faire ça sur Léonil aussi. Non, on parle plus de tout ça, tout ça. On va tous mourir. Non, en vrai, c'est trop fort ce qu'ils font. Hein. C'est incroyable. Hein. Je pensais même pas que c'était possible. Hein. C'est pour ça les vacances de Quentin, en fait. Ah là là. Ah, j'espère que Fabien m'est pas down encore. De toute façon, là, je l'avais pas fait, j'étais tout buggy. Bienvenue. Merci, parce que là elle était vraiment vénère, je suis désolée, mais. Ah ouais, ça fait très longtemps que je l'ai réservé celle-là. Bah oui, bah moi aussi. Laquelle? J'aime déjà demander à Tom de faire des travaux dessus alors. C'est quoi IAA? Ah, vous vous foutez de moi, c'est mon île. Dégagez de mon île. Bah non. C'est quoi IAA? Ça fait combien de temps que c'est ton île? C'est quoi IAA? C'est la planète des cow-boys. Mais quand tu recules, c'est sur le panneau, enfin le truc devant là, c'est. Bah oui, mais j'avais déjà des projets d'investissement sur l'île avant d'arriver. Bah oui, mais si je dis 2 ans et demi, tu vas me dire moi ça fait plus, donc j'ai pas le choix. Bah c'est sûr, je vais gagner donc. Bah c'est pour ça que je te dis ça fait 8 ans. J'ai déjà fait des papiers, Liam, tu peux pas. Moi aussi, ça fait 5 ans que les papiers sont faits. Mais pourtant, moi j'ai vu pour les papiers avec la mairie de Benkulti. Et moi pour les travaux avec Tom. Oui, mais les travaux ça a aucune valeur si t'as pas les papiers du terrain. Bah si, parce que je peux bloquer les travaux du coup. Il est fort. Alors il peut bloquer les travaux, mais ça lui fera pas avoir l'île du coup. Ouais, bah c'est ta île que tu peux rien faire. Eh ben je m'en fous, ça fera quand même chez moi. Ah, et je vivrai dans la petite cabane de merde avec le petit feu de bois. Mais du coup c'est chez moi. Et pourquoi c'est chez toi? Bah, j'ai fait des papiers longtemps. Bah tu les as fait auprès de qui? Du gouvernement. Ouais, les mairies ça n'existait pas avant. Ouais, Oh, regarde l'hélico. Ah non, je croyais qu'il avait stoppé lui-même. Ah, je crois même que c'est moi qui ai fait les papiers vu que j'étais au bout. Oh putain. Et t'es au gouv' toi? T'as été au gouv'? Liam, t'as été au gouv'? Ouais, remarque, ah, Kevin Russell a été au gouv'. Quoi? C'est étonnant, personne s'en souvient. Oui, Kevin Russell a été au gouv'. Ah ouais? Ouais. Mais c'est sûr, les tâches t'en fais des multiples, oui. Ça date de quand ça? Je sais pas, mais ça date de longtemps. Il était même témoin au mariage de Connor. Que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il était en même temps que... Je crois que c'était quand Kira était gouverneur, donc ça date d'il y a bien longtemps. Bon bah cool, on va pas rester là. Hein. Pour Russell? C'est vrai qu'il y avait une tour qui est plus là. Vous êtes sûr qu'il y avait une tour, là hein? Oui, il y avait une tour, oui. Donc... Il y avait un truc, en tout cas. Il y a des débris, donc il y a forcément quelque chose. Oui, il y avait quelque chose, oui. Vous pensez que si Tom doit faire les travaux de cette tour, vous pensez qu'il peut nous gratter un hélipad au passage? Toujours.
Non mais franchement, ça sera rien comme facture en plus pour les travaux. Il fait ça avec le surplus de béton de la tour. Ah non, Pierre, un petit hélipad là. Pour, vous bouchez le trou. Vous bouchez le trou qui est sur le parking avec un petit hélipad. Ça dépend de l'île, elle a bon ou pas. Bon. On va faire une fin de service. Tac. Bah tiens, si tu veux me donner ton FAP, puis ta radio. C'est le numéro combien, tiens? Le 22. Ok. Hop. Merci. Merci. Bon bah bonne soirée, bon courage. Yes, bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée. Prise de service. Hop. Il y a plus... Bah, ça répond pas. On a mis nos Ito. Oh ouais. Et bonne soirée. Bonne soirée, Val. Bonne soirée, Flinou. Bonne soirée. Ah ouais, tu te barres comme ça, tu m'abandonnes. Bah ouais. On est d'accord. Je reviendrai demain soir, peut-être. Mais va retrouver ton Jules, écoute. Oh, ça y est, fait le jaloux. Voilà, demain. Francky Méro. Coucou, Kava. Comment on va? Ça va? Oui, toi? Ça va. T'as pris le bleu aujourd'hui? Comment? T'as pris le bleu aujourd'hui? Regarde ouais, à droite. Ah ouais, ouais. Spécial? On a eu trop peur parce que, genre, nous on était dans le dépôt, tu vois, déjà on a entendu des tirs. Puis il y a un moment, Liam et Jordan ils sont allés voir, ils ont dit putain, il y a de la fumée partout. Du coup, on est allé voir, il y avait de la fumée partout. Puis ça a retremblé et puis bah, quand on est sorti, plus rien. Waouh. C'est si bon signe tout ça. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Mmh. J'ai du mal aujourd'hui, j'ai un peu mal à la tête hein. Bah ouais. Ouais. Elle était toute la soirée comme ça. Faut se coucher hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est Alan. Putain.
T'as bien fermé. Ouais, encore un peu, on était pris en otage aussi. Hein. Ah ouais? Bah oui, ton collègue il s'est fait prendre en otage à 100 mètres de nous. Ah ouais. Le casque! Comme Pierre disait, s'ils avaient besoin de plus d'otages, je pense qu'on était les suivants. Ah, il y a un temps qui arrive. Ah ouais? Oh non, pas lui. Salut! Le casque, Hunter! Bonsoir! Je crois que je t'ai pas entendu. Entendu dire quoi? Oh non, pas lui. Ah ouais, j'ai dit ça moi. Les commentaires, la fleur. Hein? Moi j'ai dit le casque. Oui, et oui, c'est juste les commentaires. Bah oui, mettez votre casque. Et pourquoi faire? Votre chapeau il vous protège de rien du tout. Bah oui, j'ai la tête dure. Ouais. La rock aussi a une tête dure, vous allez voir. Elle sait voir, j'ai la tête dure pour toi, toi. Attention le patron. Ouais, mais bon, j'aime bien les actes. Suite. Oui, t'inquiète, je maîtrise. Ah bah ouais, moi aussi j'ai déjà dit ça, et puis au final je me suis retrouvé à l'hôpital avec la tête rasée. Hein. Bah c'est pas drôle. Ah non, je t'imagine juste avec un crâne de bière. Bah super. Bah ça m'allait bien, hein chérie. Oh, pas de bruit. Waouh. Ouais, ouais. Bon allez, bah bon courage du coup hein. Bonjour. Bonjour. Ça va, tout se passe bien? Ouais. C'est un peu la merde là, non? Ah, il manque un building dans la ville, ouais. j'ai reçu une photo d'une ruine. Ouais, c'est spécial hein. Eh non, on est passé à côté là, et pour nous, ils mettent leur barrage de super large auto hein, donc Ouais. Ah bah, il se peut que j'ai un peu mordu dans les barrages hein. C'est sérieux, donc pas emmerdé? Ah. Bah ils m'ont pas rattrapé en tout cas. Ok. D'accord. Voilà. Je pense qu'ils ont même plus le temps de réagir en fait. Ils ont dû voir bah, pourquoi ils prennent les trottoirs et merde. Voilà. Ouais. Ça a dû être trop tard. Savoir, en fait. C'est le bâtiment du FBI là qui s'est pété la gueule. La tour de l'IA, ouais. Waouh. Il y avait beaucoup de fumée, hein, c'était un truc de fou. Et du coup, il y a toujours la radio Weasel là où ils en parlent ou pas? Bah, je sais pas, moi j'ai pas de radio donc. Non, moi je l'ai fermé parce qu'il y avait des petits cons qui arrêtaient pas de faire de la merde dessus là, mais. Oui, c'est 355.5. Moi ça a pas l'air de parler beaucoup. Mais y'a eu un truc dans le Nord aussi, ils en ont pas parlé hein. Enfin, je sais pas s'ils en ont parlé sur leur radio, mais sur Weasel, à part avoir dit que le BCMS était pas dispo, y'avait rien eu d'autre hein. Oui, j'ai pas entendu parler non. Mais en fait, je sais pas, y'avait apparemment une prise d'otage dans le Nord. Et nous, quand on est passé, du coup, il y avait des mecs qui étaient sur le toit, tu sais, au niveau des silos. C'était sur les toits, ils étaient en train de canarder des mecs qui étaient derrière la grange. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a rien eu de communiqué là-dessus. Je sais pas. Après, j'ai laissé le taxi. Et... Parce que leur truc, il est bien, franchement, la radio Weasel. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Sauf que la plupart des gens, bah, ils ont pas de radio, donc ça sert pas. Pas grand chose. Bah, si, sur les véhicules entreprises à la limite, mais à plus tard. Oui, mais t'es pas tout le temps dedans. Ouais, voilà. Mais après, enfin, comme dit, hein, ça va foutre le bordel. Ça, y a des gangs qui vont essayer de choper des infos pour tomber sur les types ou qui vont mettre la main sur la radio, des trucs comme ça. Et on fait un peu de bonnes intentions. Je trouve que l'idée est bonne, mais la réalisation, oui, c'est clair, par contre, il faudrait qu'ils aient une fréquence sur laquelle ils puissent que eux seuls puissent émettre et les autres puissent que écouter. Ça serait bien. Ouais. Une fréquence radio, comme la radio qu'on écoute la musique là dans la voiture. C'est ça, exactement. Mais bon. Ok. Bon, ça s'est bien passé votre soirée, vous sinon? Ouais. Oh ouais. Rien de spécial encore. Par contre, on a vu une fusillade et que. À côté de. Ok, quoi. La route passe vol vers l'SMS, c'est l'eau. Oui, bah voilà, c'est là où je suis passé tout à l'heure, mais c'est bien de prévenir maintenant, quoi. Super, il toujours plus large quoi. En même temps, c'est un gros bâtiment qui s'est effondré donc normal. Ah, les débris sont partout. Ça doit être déjà assez compliqué comme ça pour speeder le SMS. Alors, si en plus, ah bah là, j'avoue que j'ai dû grogner sur le SMS parce que
sur le SPD parce que j'avais des docs qui avaient été pris en otage. Ouais. J'ai aussi quelqu'un de taxi qui avait été pris en otage. Et ils nous disent, ah, revenez plus tard. Je dis, oui, mais vous êtes bien gentil, mais nous, si on revient plus tard, après les dommages intérêts, on est dans le cul. Donc il va falloir me trouver quelqu'un au moins pour prendre les dommages intérêts, même si on fait des positions complètes plus tard. Dans les otages? Non, pas moi, moi je suis avocat, moi je te rappelle. Mais, ah oui, c'est deux, putain. Deux docs et, deux docs et un mec de taxi qui était en train de Emma et Malcolm. Donc, du coup, je leur dis, là je vous mets la pression parce qu'il y a quelqu'un, ça fait trois fois qu'il se fait enfler sur dommages intérêts. Donc repasser plus tard, c'est bien gentil, mais au moins prenez juste les dommages intérêts et quitte à faire le truc complet plus tard. Ouais. Ça, je suis tombé sur incompréhensif, donc c'était cool. Il y avait Garcia qui était là. Non, je l'ai pas croisé. Ah. Donc voilà. Ok. Mais bon. Mmh. Bon allez, je vais vous laisser faire votre tournée du coup. Merci. Et puis je vais faire pareil, je pense. A plus tard. Et pas plus tard. A plus tard. Par contre, je vois que ça me pique déjà mon taxi, hein. Tu payes. Oui. Tu veux ton taxi? Piquer mon taxi? Je sais pas, le. Vu que je suis toujours pas là, donc bon. Mais j'arrive pas à m'y faire à gauche si. Enfin, la tour, moi ça me choque pas plus que ça. T'as pas l'œil qui en manque une? Non, pas du tout. Parce que les deux étaient un peu alignés, donc. Ah. J'ai cru qu'on allait canner hein, sur le deuxième. Hein. J'ai eu trop peur. Hein. Ah ouais? Bah oui! Avec la fumée qu'il y avait et tout, et ensuite le tremblement, ouais, laisse tomber. J'essaie de faire. Qu'on a eu deux de suite comme ça. Ah, ça arrive des fois. Non, c'est plus fréquent. Oups. J'ai eu un pourboire de 1000 balles. Ouh. La richesse. J'étais on fire en début de soirée, là j'ai fait chier Flynn. Bon. Pour Flynn, il n'y a rien demandé. Ah ouais, mais. On était trois à tourner dans le même fourgon. J'arrêtais pas de leur dire, il me reste 20 sacs dans le fourgon, il m'en reste 10, c'est à moi. Hein. Ah oui, d'accord. Et tu sais, genre la première tournée que je fais à Flynn, je dis bah du coup on fait 30-30 et tout. Il me dit ah ouais, tu sais, il rigole un peu. Je dis bah qu'est-ce qu'il y a? Il me dit ouais, t'es même à cheval sur les sacs. Bah. Oui. Normal quoi, on travaille à deux, on partage, tu vois. Ouais, c'est un quota, c'est sûr que. Et puis comme je l'ai dit, je suis pas souvent présente, donc si je donne en plus mes sacs, laisse tomber quoi. Mmh. Pas un quota de 700, donc... Calmez-vous. Ah oui, c'est seulement maintenant que le SMS envoie un message pour répondre à MST. Savoir si tout le monde va bien. Ouais. Là, ça fait pas au moins 20 minutes qu'il y a, qu'il y a une tour qui s'effondre à côté. Ah, en vrai, ils doivent être débordés les pauvres. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, il devait être abordé. Déjà à 20h30, je crois que. Bah, 20h30, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de doc en service. Pas de doc à 20h. Puisque c'était le SMS. Bah, du coup, je vais faire ma visite médicale, je me suis dit, bah tant pis, je la ferai avant d'aller me coucher. Bon, bah, du coup, je vais peut-être pas aller la faire maintenant. J'irai demain, tant pis. Hein. Ça va être compliqué un peu. Hein. Ouais. Après, on m'a dit que normalement il y avait une... j'avais encore une semaine légalement, donc je vais travailler, du coup, c'est encore ok. Ah, il y a de mieux en mieux la soirée. Ouais. Pause de partout. C'est trop bizarre hein, qu'il n'y a pas eu de communication ce qui s'est passé maintenant. Hein. T'as qu'il était tout dans le sud hein. Bah je sais pas, il me semble qu'il y avait un hélico usel là-bas mais je suis pas sûr. Ah. Un hélico foncé, il y avait que quoi. Bah il y a un hélico puis je pense qu'il était dans le sud de l'hélico donc Bah je sais pas c'était quoi l'hélico qui était là-bas mais il y avait un hélico comme usel. Hmm. Ça c'est pareil, la fusillade elle éclate au moment où on passe quoi, genre. Ah oui. En même temps, je pensais qu'elle a peut-être éclaté rapidement, puis on peut le temps de faire de communication.
Ah, puis de toute façon, en plus, pour aller dans le nord, parce que nous, quand on a vu qu'il y avait une PO dans le nord, on mentionne aussi, on s'est dit, mais on fait comment du coup pour aller faire notre transfert? Parce qu'il y a qu'un passage, enfin, on peut passer que par là. C'est vrai. Mais hein? J'ai pas compris. J'ai entendu retour en Vienne, mais j'ai pas compris c'est qui. Non plus. Ah, t'es reçu ou dis de répéter? M'en fous! Bah, pas gentil. Bah, ils font ce qu'ils veulent à la radio. Là. Oh là là! Des grognons? Y'a personne d'autre qui le demande, donc bon, après moi, personne n'a compris, le monde s'en fout. Oui, ou y'a que toi en taxi du coup? Bah, non, y'avait ah, ton patron. Y'avait le patron, puis. Ton patron il s'en bat les couilles de choix là, genre. Hein. Bah, oui. Il tourne souvent à deux de toute façon. Donc, Bah, c'est plus fun, je pense. Ouais, pour eux, y'en a qui sont plus fun. Bon, j'avoue, pour toi, taper ta copine en relou pendant que tu travailles, ça doit pas être ouf. Bah, ben, voilà. Connard, hein. Putain, il fume fort, hein. Qui fume? Allemand Chiliad. Ah. J'ai le droit de venir ici ou pas du tout? Oui. Tu es speedy qui bloque le chemin, il va trouver selon. Oh oui. Moi, je peux-tu aller ici ou... Non. Non plus. Non, là, jusqu'à la place Wolf, t'as pas loin. Là, à droite, tu peux par contre. On profite pas aller vite. Attention au radar quand même. Je suis pas sans vous. Bah, je peux pas t'aider. Il y en a pas ici, je pense. T'as fait des traçats de la soirée ou t'as fait des sacs un peu? Je fais des sacs un peu. Je fais 220 sacs. Ah, quand même. Et après, on a tourné à 3 donc c'était pas forcément très rentable quand même. Non, mais moi c'est moyen, je sais pas. Et puis quand j'ai pris mon service, quasi toutes les banques étaient vides. Ah. Il y a encore un collègue qui a eu un truc trop chelou cet après-midi. Voilà, des gars qui se sont arrêtés pour lui demander s'il était en train de tourner avec son FAP ou s'il avait une M4, des trucs comme ça. Hein? Qui reviendrait plus tard, ouais. Ok. À fond. Oh, oula. On va le finir, c'est ça. Y a un... Ah oui, j'ai cru qu'il y avait personne dans le taxi. Il s'est arrêté.
Bonjour. Sur les Camacho. Bonjour les Camacho. Mais. T'as rien de bon à raconter sinon? Bon. Elle est excitée malheureusement. Hein. La routine. C'est une construction oui. De. Au cœur du feu, Pazuli résiste. Cœur du feu, Pazuli résiste. Je pourrais quoi ouais, à quel se... moment il résiste s'il se représente. Ah, ok. Si les gens c'est con pour voter pour eux, bah d'accord, mais bon. Oui, la zone elle est large, la zone interdite. Ah ouais? Ouais, ils l'ont mis sur Wizon. Ouais, ils prennent pas de chance, j'imagine. Hein? Ils prennent pas de chance. La grosseur de la patente. Même Peaceful il est interdit. Ah ouais? Ouais, en gros, tu. Las... On sait la limite, c'est Las Lagunas, Occupation, Strawberry Avenue et Vespucci Boulevard. Ces rues-là, tu peux passer tout ce qui est dedans, tu peux pas. Ah. Pas compliqué ça. Sur le sang. Non, il n'a pas l'air de ça. Il a réussi, je me souviens bien, ou il sera Wick, je sais plus. Bon, il sera Wick. Bon, il sera Wick. T'inquiète pas. Moi, je m'inquiète pas. Non, 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 non. Je te fais confiance. Moi.
les cannes. Bah oui. On va t'occuper à ramasser des berries si tu veux. Putain, il faut jusque là. Ouais, je prends la. Je crois pas qu'il me fait descendre jusqu'à en bas. Faut que t'ailles. Great Ocean à l'hôtel. Ça se passe bien vite. Ah ouais. Nickel. Qui ça hein? C'est beau, moi je connais personne. Je sais plus si elle est toujours des dents bloquées ou pas et tout. Elle est toujours des dents bloquées, oui. Okay. T'as le... D'ailleurs, t'as Weasel qui a publié un quadrillage des zones bloquées. Ok, merci. Ah oui, c'est un gros truc. Ouais. Tu parles de quoi là? Bah, je sais pas s'ils ont envie de savoir. J'espère qu'ils parlent pas de mon pantalon parce que. Oh, ça risque pas hein. Ouais, non, je vais peut-être. Il aurait dû un immense truc sinon. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Évidemment. Évidemment. T'es content d'avoir joué la MST? Bah oui. Bon. Faut bien travailler un petit peu, de toute façon je pouvais pas rester définitivement au chômage hein. Bon, t'aurais pas attendre, t'aurais pas été un problème non plus. Ouais, mais le problème c'est que je vais faire des dépenses et que derrière j'aurai pas de rentrée d'argent donc ça va descendre trop vite. Bah tu fais juste plus de dépenses. Ouais, mais bon, faut que je m'achète à manger, à boire, que je paye mes taxes d'habitation, que je paye mon essence, mes réparations. J'aurais dû sortir ici. Bah après moi je bois mais c'est j'aime pas hein. Bah c'est parfait ça. Je suis pas en train de tourner H24 donc je suis pas en train de m'en dégoûter tu vois, je suis pas en train de me saouler de foutre mon âge à chaque fois. Non c'est sûr. Si t'en as des gens à plus side. Hein. T'as tout quoi? Ça te change d'avoir des tournées avec des gens. Mais voilà. Tout à l'heure, il y avait un rendez-vous avec VB, on repart que. Ah bon? Ouais. VB Mirror Park. Hmm.
ici Inex, proche de Wizanews, toujours en direct de la tour IA qui vient de s'effondrer en plein centre-ville de Los Santos, donc juste en face du LSMS, où le secteur est toujours temporairement bloqué par le SVI pour plus de sécurité. Les opérations, bien évidemment, sont toujours en cours du côté du LSMS, des pompiers et des services de l'ordre. C'est trop stylé, je trouve. Je trouve ça très bien fait, tu veux te mettre d'être sur les nouvelles en direct et tout, là. Bon, c'est pas tout le monde qui a des radios, évidemment, mais bon, ouais, les entreprises qui ont accès qui ont accès aux radios, c'est pratique. Je peux pas aller sur Peaceful là? Non. Pas aller ici non plus, j'imagine. Non. Au-dessus de Peaceful, tu peux pas, là. Putain, c'est même pas barré. Bravo. Ouais, mais bah en même temps, ils peuvent peut-être pas mettre tout le monde à chaque rue barrée. Je sais, le carré, il est grand, hein. Ouais, c'est ça. Ah, regarde sur ton téléphone, tu vas le voir. Pas le tâche gorge, lui. Oh là là. Dangereux. Il y a encore du monde sur place, j'arrive en vrai. Il y a encore du monde sur place, il est. Sur place. De quoi? Il y a encore du monde sur place. Ah, faut voir, oui. Ah, je vois, ouais, bien sûr, je vois là. C'est pas le de physique, les hélico. Quand même, building s'est effondré, hein, quand même. Ah bah, viennent des gens qui ont demandé de dégager il y a 5 minutes, hein, parce que j'étais en train de s'engager sur une route en suivant le GPS, le temps que je me rends compte que c'était bloqué. Ouais, c'est trop bien, sur ma gueule, hein. Oh, ah, je pense à la place d'autre. T'as encore un compte, on va en bas, quoi. Mais non. Professionnel. J'avais inclus un abonné là-bas. Oui. Mais je suis calé. Ah oui, je vois ça. Voilà. Je regarde un truc sur mon téléphone. Là, c'est pas la fleur, d'accord. Faites. Ah, non, c'est pas la fleur. Tu cherches quoi? Ah, je me disais aussi, il a oublié de prendre le service. Ah non, je suis toujours là. Ah, ne t'attendais pas sur ça. Je suis silencieux. Ah, je sais comment l'expliquer à l'époque. Hein. Voilà. Parle pas, mais c'est qui lui? C'est pas moi, c'est qui? Et sinon, l'autre personne, c'est monsieur Holman, c'est ça? Perdu. Merci. Attends, c'est qui? Ton avis, tête de nœud. Wow. Oh. Il est où? S'il te plaît, je suis vieux, mais quand même. Wow. Non, mais attends. Bon, je regarde un tout sur mon tête, tu me diras la finalité, hein. Ouais, ouais. L'aide pas, Jean-Charles, hein. Reviens, chat. Eh? Bah oui, banane. Oh, putain, mais pourquoi t'as pas pris ton service? Ah, je l'ai pas repris. C'est vrai. Eh oui, c'est pour ça que je comprenais pas. C'est laquelle, Polochon, déjà? Je sais pas et tout. Il faut aller, en fait, t'as un truc pour les numéros des clés, c'est... Attends, je vais te dire, Polochon. C'est bon, j'ai vu, c'est la 2. Merci. En fait, Fer, tu fais là quand t'appelles Jean-Charles ou la fleur ou comment du roi t'appelles? Comme tu veux. Ah, parce que quand t'es speedy, c'était par les matricules, tout ça. Du coup, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de savoir si tu pouvais espérer quand t'appelles d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça. Je préfère qu'on l'appelle pas. Ouais, voilà. Bah, très bien, j'irai te chercher à chaque fois alors. Peut-être bon. Deux secondes. Ah, je suis. Andreas. C'est moi. Et reprise de tournée du coup.
Et bonne reprise de tournée. Ah, j'ai pensé à toi tout à l'heure quand j'ai eu un client à 170 mètres. Ah, bien, je t'avais dit, hein. C'est, à vous, c'est agréable. Hein. Je l'avoue. Ah, bah, ce matin, il y en avait un qui a voulu descendre l'endroit où je l'ai pris. C'était très rigolo. Ah, oui, c'est des choses qui arrivent des fois. C'est très rare. Et ici, il oublie ses clés. Ah, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Oui. Bon, alors, je pense que vu son haleine chargée, il avait oublié ses clés, mais il n'avait pas oublié de boire par contre. Ça, c'est mon père. Hein. J'ai juste ton ancien perchoir. Ah bah j'irai encore de temps en temps, hein, t'inquiète. Hein. Ça me manque là-bas. T'inquiète pas, t'as des abonnés qui y vont. Nickel. C'est fou, les médecins du BDCNA sont très généreux quand les accompagne. Ah, t'as combien un gros pour boire? Voilà, pas un gros, mais c'est tout ce qu'il avait sur lui, quoi. C'est 50$. C'est déjà ça, hein, merci à lui. Ah oui, non, oui, mais c'est déjà ça. Hein. Je ne crache pas dessus. Pour l'instant, le plus haut que j'ai eu, c'était 2000$. Mais c'était divisé par deux, parce qu'on était deux à la fin de tournée. Une bagnole là qui vient de couper devant moi, là, ouf. Ah, d'ailleurs, j'ai eu pareil, une voiture électrique là, qui en s'est frôlée, là, c'était limite. Ça améliore pas la situation, j'ai l'impression là. Alors pas l'air non. Là j'ai passé un coup de téléphone. Personne est mort hein. Non. Vous voulez que je prenne l'appel ou n'importe, quand vous voulez. Oui, ils vont les prendre les deux là. Bah, il demandait justement si quelqu'un prenait. Bah, je laisse, Je vais bientôt arrêter, moi là. Bah, oui, on va refaire le petit bijou quoi. Bah, oui. Bah, oui, j'étais au téléphone donc compliqué. Une cuisine. Ah, j'ai pris l'appel. Ça roule, ça roule. Qu'est-ce qui te fait envie? Et ouais, ils sont en train de check pour éviter tout risque de sur-effondrement. Je peux pas aller là, moi? Si. Oui?
Non, à gauche non. Pardon, je croyais que tu parlais d'Occupation. C'est où mon point? C'est. Attention, il y a une voiture devant toi. Oh, oh je suis mort. T'as le rose? Tu fais, j'ai pas d'abord. Mais on la retrouve du coup? Ah, tu peux pas non plus. Bah, faut croire. Attends, tu vas où, là? Ok, parce qu'il y avait un levier, c'est pour ça, c'est. Bon, c'est pas pour là, bah sinon ça va être un bordel. La semaine dernière. Du coup, qu'est-ce qui te fait envie? Des burgers. Bien. Allez, c'est ça. Pas bon ça. Vu que la fleur, il m'a piqué mon 8 là. Ah, oh, bah quelqu'un m'a volé mon 7, donc bon. Bah, je te laisserai le 7 et moi je garde le 8. Let's get. Y'a le 8 avec les jambes bleues. Oui. Un taxi, c'est un taxi pour moi. Donc, vous savez comment je m'en fous. Pas super si je peux essayer que je pense pas. Putain, paye ton 4 km 53 là. Hé hé. Viens se moquer, hein. Non, je vais. Jamais je n'oserais. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Hein. Bonjour Teddy. Vas-y. Pardon. Calé le taxi ou pas? Y'a quoi? Est-ce que le taxi il a calé? Oui. Il a calé après quoi comme choc? Collision dans un muret de béton. Ah oui. Un pilote d'exception, hein? Ouais. J'imagine. J'ai déjà news. Là, j'ai entendu juste les portières, du coup, je me posais des questions. Et voilà, on est tout propre. Merci comme beaucoup. Et dans la... Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée. Et course terminée. J'ai une course qui était pas mal. D'accord. J'ai pris la dame à un endroit, je l'ai reposée au même endroit. Bravo. Et en plus, j'ai un pourboire. En plus de la facture de la course, bien sûr. Nickel. Ah, le patron, il va donner une augmentation là. Et oui, c'est sûr. Attends, je fais comment? Est-ce que ma... Elle est où ma bagnole? Mais les places Wolf, je suis moins.
peut pas la chercher là. Bah, au moins c'est interdit, mais y'a plus rien. Ouais. Y'en a qui rentrent des trucs, puis ils sortent des trucs là. Oh! C'est ton taxi. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va et vous? Ça, ça va. Ah, bon courage. Hein. Merci, vous aussi. Merci. Il doit y avoir trop de gens dans la zone, c'est pas fluide, c'est horrible. $4 je te rachète, pas $5. Pas là. J'ai des millions entre les mains là. $6, allez, $6. Non, c'est horrible. C'est Gustave qui a choisi la couleur. En fait, je l'ai mis comme ça pour changer un peu de ce qu'on voit habituellement. Si tortue, il dit tortue cuite. C'est beau, hein, Rebla, quand même. Bonjour. Bonsoir. En scène ? Oui. C'est bien ? Oui, c'est qui ? Mouse. Sérieux ? Oui. C'est que tu fous là ? Ouais. Ça détend. Non, mais t'as quitté le SVS ? Ouais, pas elle. Ouais, c'est... J'ai besoin de me détendre. Connard, Hunter. Ah ouais, bien. Vous avez tout dit des véhicules qui est la plus grosse, quoi. C'est... Bah là, je crois que c'est la fleur qui gagne. Hein. Bah, en même temps, j'espère. Ouais. Hey, passez bonne soirée. Ouais, toi aussi, fais gaffe à toi. Bonne soirée. Ah, ça y est, tu l'as eu ? Mmh. Oui. Mmh. Il y a un problème. Mmh. Hop là. Tiens, de oh, une coupe de champagne. Qu'est-ce que vous voyez ça? Le monde du caisson qui m'a donné ça. Ouais. Gagnez-nous ? Non, le bus que j'ai du monde de la série. Ah ! Ils faisaient son Reclaim Building, je sais pas trop quoi, il y était au moins une douzaine. Ah oui ! Ah ouais, puis ils m'ont tout donné un peu d'argent. C'est pour ça que j'ai eu 3500. Eh ben. Bah ouais. Ils t'ont donné du champagne avec. Y'a l'un qui m'a donné du champagne, ouais. Red pour voir. Et en gros, parce qu'il disait j'ai gagné beaucoup casino, voilà pour vous. Il me donne du champagne, je suis d'accord. Ah, tu t'es dit ça y est, c'est le jackpot le mec qui va me donner un. Ah ouais, c'est quoi. Bon. C'est... Pas du tout quoi. Non. Il a gagné une bouteille de champagne. Draki, par contre. Pourquoi? Parce qu'il était plein avec une mallette, ça arrêtait d'être très rigolo. Très rigolo. Ouais, j'avoue. Ah, y a... Qui passe. Oui, je me demandais c'était quoi l'ombre qui passait si vite là, je comprenais pas. Là.
Imagine, bah, imagine un jour on se lève et il n'y a plus rien à droite. Là. À droite, le mur, la TV? Non, mais pas chez nous, les buildings là-bas. Ah, bah le nôtre va retomber bien avant, je pense. Hein. Bye. Donc, si ça se met à vibrer dans le lit, c'est peut-être d'autres choses que ton vibro. Je m'attendais pas. Ah oui, mais bon. Mais je pense qu'il vibre pas si fort quand même. Ouais, c'est ce qu'il manque de piles en ce moment. Donc j'achète un câble. Ouais. Non, mais s'ils vont leur console à toi ou s'ils vont la dégager puis faire un petit parc là. Bah oui, oui. Ouais. Ah oui, faisons un parc là où il y avait des gens qui travaillaient. Bah un petit parc de commémoration, ouais, je sais pas. Ouais, ah ouais. Non ? Bah, je sais pas. Wait and see. On va voir jusqu'à ce... Et ça nous mène au fond fond du volcan, voilà. Ah voilà. On va se faire croquer. On va se faire croquer ? C'est sûr, juste en dessous de tout ça, il y a un kraken. Tu sais que dans un volcan, il y a rien qui vit. Hein. Non mais en dessous. Pas dans le volcan. Ah oh, mais... Eh ? Ok, voilà. Le kraken, ça vit sous l'eau. Hein. Bah ouais, mais il y a de l'eau en dessous de nous. Mais non. Comment ça, non ? C'est une île, c'est de la terre. Ah ouais, il n'y a pas d'eau en dessous ? Bah s'il y avait de l'eau en dessous, on se promènerait et on se dériverait un peu partout. Ah ok. Le jour où tu verras l'Afrique à ta droite, tu me poseras des questions, mais bon... Hein ? Le jour où tu verras l'Afrique ou le Japon à ta gauche, ou des trucs comme ça, c'est parce qu'on va en dériver, mais bon... Ok. Ouais, ouais. Ouais, j'avais préparé les burgers, moi je suis meilleur en cuisine. Ah bon ? Eddie ? Eddie ? Pas bon, tu me demanderais pas de le faire. Je sais. Fais-le avec amour, comme toujours. Va te poser, bah oui, toujours. Oui. Oui. Ah là là. Bon allez, on va s'arrêter là pour ce soir, chat. Hop. Merci pour votre présence, merci pour les follow, merci pour les subs, les subs, merci la modération, merci, merci tout. Vous avez passé une bonne soirée en tout cas. Pour l'info. On va mettre ça. Allez, des bisous, chat. À la prochaine. Ciao. Un raid, wesh. Tu veux raid qui ? Tu veux raid de qui ? Ça, puis c'est pas. Attendez, on va raid du coup. Hein ? Mais je te jure, je vais te tarter, toi. Bonne soirée, Orcos. Ah, attendez, on va raid quelqu'un du coup. On attend que Kawas décide. Tu l'as bien écrit ? Non, tu l'as pas bien écrit. Ça s'écrit pas comme ça, Linsky, t'attends. Skate. Hop, on va aller faire un tour chez Linsky du coup. Voilà. N'oubliez pas de le follow, les gars, c'est gratuit, c'est important, vous le savez, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, reposez-vous bien. Et puis peut-être à demain du coup. Ciao !